Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à Océanopolis, Centre national de culture scientifique dédié à l'océan. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir dans un lieu insolite, la salle polaire d'Océanopolis, avec de drôles habitants qui doivent être juste derrière moi, les manchots royaux. Alors je vous accueille pour le festival Polaire Connecté. Vous le savez peut-être, la France va accueillir en juin la 43e réunion sur le traité sur l'Antarctique. Et je remercie d'ores et déjà notre partenaire, l'Institut polaire français, Paul-Émile Victor, qui nous a proposé ce festival, qui est représenté ce soir par son directeur, Monsieur Chapelaz, et toute son équipe. Avec l'Institut polaire français, c'est une histoire que nous partageons, des valeurs communes depuis plus de 20 ans. Nous avons conçu ensemble de nombreuses expositions, mais aussi créé des festivals. Voilà, et c'est vraiment un partenariat qui nous est très cher et nous savons aussi que nous allons continuer à travailler ensemble. Dans le cadre de ce festival polaire connecté, dès lundi dernier, nous avons pu accueillir le séminaire polaire junior et ce sont 115 élèves qui ont pu travailler sur des thématiques arctiques et antarctiques, un petit peu à l'instar finalement d'un séminaire scientifique. C'était une très très belle journée. Alors ce soir, évidemment, nous avons le plaisir d'accueillir une table ronde inédite sur la thématique suivante, les pôles sciences géopolitiques et gestion des risques. Et demain et dimanche, nous allons également vous proposer des émissions sur l'Arctique et l'Antarctique. Vous voyez un programme très riche et diversifié. Alors nous sommes toujours évidemment fermés à Océanopolis, mais nous avons souhaité avoir une certaine continuité, car la culture scientifique et technique n'a jamais eu autant d'importance qu'en ce moment. Donc c'est pour cette raison que nous accueillons avec grand plaisir ce festival polaire. Il est temps maintenant que la table ronde se mette en place et j'ai le plaisir de donner la parole à M. Chapelaz, qui est directeur de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor. Je vous souhaite une excellente soirée et une très très belle table ronde. Merci beaucoup Anne Rognon pour cette introduction. Bonsoir à tous, je suis absolument ravi de vous accueillir et d'introduire cette table ronde en virtuel sur un sujet d'importance. Les pôles, on en parle beaucoup, on en parle pour différentes raisons. On en parle évidemment au premier chef en raison du changement climatique, puisque le changement climatique est amplifié dans les régions polaires. On en parle en raison des évolutions environnementales qui touchent ces environnements, notamment sur la biodiversité, sur les pollutions. On en parle en matière d'économie. Tout le monde a entendu parler des possibilités d'ouverture, de passages nouveaux à travers un océan arctique libéré des gaz, permettant la mise en place d'un commerce nouveau au niveau mondial. On en parle évidemment sur le plan géopolitique, les enjeux par rapport aux grandes puissances qui se positionnent à nouveau sur les pôles. Et on en parle évidemment en matière de défense, puisque ce sont des lieux potentiellement de conflit ou de paix armée entre les nations. Nous avons donc choisi le contexte de Brest pour nous appuyer sur plusieurs expertises justement présentes à Brest, reflétant ces différents aspects des pôles. La science, bien sûr, puisque j'ai le privilège de diriger l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, IPEV, qui est l'agence nationale de moyens et de compétences permettant aux scientifiques français de travailler dans ces régions.
Nous avons également Anne Choquet qui va nous aborder plutôt le sujet de la géopolitique, des enjeux géopolitiques. Et puis évidemment la préfecture maritime qui nous fait l'honneur ici de la présence de son directeur et puis évidemment de deux commandants que je vais introduire très rapidement. Alors pour cet échange, je vais d'abord présenter Anne Choquet, ici présente. Anne Choquet est enseignante-chercheure à Brest Business School. C'est une spécialiste du droit, elle enseigne en droit. Et c'est une grande spécialiste des questions en fait, du droit de la mer et du droit des pôles, notamment sur le droit des pôles. Elle a été amenée à travailler sur la question des limites du plateau continental dans l'océan Arctique, qui est un sujet très important pour les revendications territoriales des nations possessionnées dans l'Arctique. Et puis elle fait partie également de la délégation française au traité sur l'Antarctique. Et donc elle fera partie de cette délégation qui débute le 14 juin 2021 à Paris, la 43e réunion du traité sur l'Antarctique sous présidence de la France, la dernière présidence ayant eu lieu en 1989. J'ai le plaisir d'introduire ici l'amiral Lebas. Vous êtes actuellement préfet maritime de l'Atlantique et commandant en chef du théâtre atlantique. Votre carrière est fortement marquée par les opérations. Vous êtes pilote de chasse de l'aéronaval et vous avez participé à ce titre à de nombreuses missions de combat sur les principaux théâtres d'opération de ces 25 dernières années. Vous avez également navigué sur les bâtiments de combat de la Marine nationale, à bord desquels vous avez été engagé, là encore, dans les principales interventions de la Marine française, mais aussi dans la lutte contre les trafics illicites en océan Indien, ou encore dans les opérations humanitaires. Vous avez commandé 4 unités opérationnelles, dont le fameux porte-avions Charles de Gaulle. Capitaine de frégate Céline Tuccelli, vous êtes depuis l'été dernier la porte-parole de l'amiral Olivier Lebas, mais auparavant nous avons eu la chance de naviguer ensemble en janvier 2019 entre Hobart et la Terre Adélie en Antarctique, puisque vous étiez alors l'un des deux commandants du patrouilleur polaire l'Astrolabe. Commandant, c'est un plaisir de vous retrouver à cette occasion, et vous pourrez nous raconter évidemment ces 31 mois de commandement du fameux patrouilleur polaire, l'Astrolabe. Capitaine de frégate, Philippe Guéna, vous êtes l'un des deux commandants du bâtiment de soutien et d'assistance en métropole, le Rhône. En 2018, vous êtes le premier commandant de la Marine nationale à franchir de manière totalement autonome le fameux passage du Nord-Est. Vous nous rapporterez ce que vous ramenez de cette mission assez extraordinaire et unique en son genre. Avec ces éléments, eh bien, je déclare ouverte la table ronde. Merci Jérôme. Bonsoir. Je suis très heureuse de démarrer cette table ronde par l'exposé d'Anne Choquet, enseignante-chercheure en droit à la Brest Business School, qui va nous expliquer la complexité de la gestion des activités humaines dans les régions polaires et notamment nous détailler qui prend les décisions dans ces lieux si particuliers. Internautes, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat du Facebook Live. Anne prendra du temps après sa conférence pour vous répondre. Belle écoute, merci. Bien, bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici avec vous. Et en fait, j'aimerais bien aujourd'hui un petit peu vous parler justement de la gestion des activités humaines, donc dans les régions polaires, et plus précisément un petit peu qui décide. Et donc, on a la possibilité, en fait, de voir qu'il y a différentes approches, différents États qui sont investis dans le cadre des régions polaires. Et on accueille, effectivement, cette année, en juin, la 43e réunion, merci, des parties consultatives au traité sur l'Antarctique. Ça ne marche pas. Je suis désolée. Voilà, il faut bien commencer. Et donc, la 43e réunion des parties consultatives, en fait, il s'agit ici donc de la continuité de différentes réunions consultatives qui ont été établies sur la base du traité sur l'Antarctique. Le traité sur l'Antarctique est un traité fondamental dans les relations internationales parce qu'il va organiser quelque chose d'exceptionnel entre les différents États.
Donc, on a, depuis 1959, eu des réunions régulières. La première a eu lieu donc en 1961, quand le traité est entré en vigueur. Et depuis l'entrée en vigueur de ce traité, on a régulièrement des réunions dans lesquelles on va retrouver les États. Pendant longtemps, c'était tous les deux ans, mais après, depuis, nous avons des réunions tous les ans. Donc cette année, 43e donc, réunion consultative. Alors, c'est quoi ces réunions? Ces réunions, en fait, c'est un moment privilégié des relations internationales parce que c'est un moment d'échange. Un moment d'échange et qui est nécessaire, en fait, pour gérer l'Antarctique. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, et je commence quand même par ces deux cartes, pour un juriste, il est très important de partir du départ. Et la grande différence entre l'Antarctique et l'Arctique, c'est que l'Antarctique est un continent. Et donc, il y a des États qui s'intéressent à ce territoire. L'Arctique, en revanche, c'est un océan. Mais il faut bien voir que les États vont se comporter comme partout dans le monde et ils vont vouloir faire valoir, mettre en avant des droits qu'ils ont. Et cette différence entre l'Antarctique et l'Arctique, elle va guider toutes ces relations privilégiées entre les États. Donc, l'Antarctique a un continent, et de fait, on a une mer semi-fermée, et au nom du droit de la mer, on a les États qui ont des prétentions particulières, qui ont envie de faire valoir des droits particuliers au large de leurs côtes. Ce que l'on voit, c'est qu'on a eu 7 États qui ont émis des prétentions territoriales en Antarctique. Donc 7 États qui ont posé des revendications sur la base de différents éléments, par exemple la découverte du continent ou la proximité géographique de leurs États. Et ce que l'on voit, c'est que ces prétentions territoriales n'ont pas fait l'unanimité, ne font toujours pas l'unanimité. En revanche, en 1959, on a adopté un traité, le traité sur l'Antarctique. Alors, ce traité sur l'Antarctique est exceptionnel parce que l'objectif était de réfléchir à la gestion de ce continent. Cependant, ce que l'on va voir, c'est que les États ne vont pas réussir à se mettre d'accord. En revanche, ils vont réussir à établir un traité sur la base d'un non-accord. En fait, on va établir ce qu'on a appelé un gel des prétentions territoriales. Et ce gel des prétentions territoriales permet aux États de dire, voilà, moi j'ai des prétentions territoriales, mais j'ai envie de coopérer avec les autres États. Et les autres États vont accepter ou pas mes prétentions territoriales, mais en tout cas, tous les États vont vouloir coopérer. Et c'est sur ce fondement-là que l'on va avoir des relations privilégiées. En Arctique, en revanche, là, c'est une approche différente. On a des États côtiers, là, il n'y a pas de problème. Personne ne conteste la souveraineté des États sur leur territoire. Les États côtiers vont donc chercher à exercer leur juridiction sur leur territoire, bien sûr, mais également sur les eaux à proximité. Et on a également des États qui vont faire valoir une volonté de coopérer sur la base de leur présence dans la région arctique. Là, ici, ce que l'on voit, c'est que l'Antarctique et l'Arctique, déjà, il y a cette différence fondamentale sur la base des prétentions territoriales, mais cela va avoir des incidences beaucoup plus importantes, puisque sur la base du traité sur l'Antarctique, on va créer une organisation internationale. L'organisation internationale avec des institutions, avec une réglementation particulière, et on va compléter le traité sur l'Antarctique par de nouvelles mesures, et notamment un protocole sur la protection de l'environnement en 1991, et qui fait de l'Antarctique une réserve naturelle consacrée à la paix et la science. En Arctique, on n'a pas cette organisation-là, on n'a pas d'une organisation internationale comme on connaît habituellement en droit international. On a en revanche un forum
que l'on appelle de haut niveau, et donc qui est le Conseil arctique. Et là, c'est important de voir que finalement, on ne peut pas gérer les deux régions de la même manière, et on n'a pas non plus une approche globale comme on a essayé de le faire au niveau de l'Antarctique pour l'Arctique. On aura des traités particuliers. Donc en fait, la réunion des parties consultatives, c'est une réunion pendant laquelle on va retrouver les États qui ont choisi d'adhérer au traité sur l'Antarctique et qui ont choisi de coopérer. Il y a actuellement 54 États qui ont ratifié le traité sur l'Antarctique. Mais seulement, parmi ces États-là, seuls 29 États ont un droit de vote. Ce sont les États qu'on appelle les parties consultatives. Néanmoins, la coopération, elle se fait de manière optimale entre l'ensemble des États. C'est juste au moment de la prise de décision que les États non parties consultatives ne pourront pas prendre part au vote. Et sur le fondement du traité sur l'Antarctique, grâce à ces réunions des parties consultatives, on va petit à petit conforter le traité sur l'Antarctique, adopter de nouveaux traités, sur la base de trois piliers fondamentaux qui sont donc le maintien de la paix, qui était vraiment l'objectif premier du traité, mais également la recherche scientifique et la protection de l'environnement. En Arctique, on a une approche totalement différente. Il ne s'agit pas d'une organisation internationale, néanmoins, on retrouve des États. On a les 8 États membres, les États dits arctiques, mais on a voulu accorder une place particulière aux populations. Et en fait, ces populations-là vont être considérées comme des participants permanents et vont pouvoir participer aux discussions. Il y a également d'autres États, des organisations internationales, mais qui ne participeront pas à une discussion qui irait jusque la décision. En fait, le Conseil arctique n'est pas une organisation internationale et n'a donc pas de compétences pour prendre des décisions, style traité international que l'on pourrait avoir au niveau de l'Antarctique. Donc ça veut dire que l'on aura des mesures, des recommandations qui seront faites aux États. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est que le Conseil arctique permet une négociation telle qu'on a pu voir émerger des traités internationaux qui reposent sur des discussions du Conseil arctique et qui vont adopter une approche sectorielle avec des thématiques bien déterminées suivant les différents traités. Alors là, pour terminer, les deux régions donc n'ont pas du tout la même approche en raison tout simplement du droit de propriété, c'est en tout cas des droits de juridiction des États, mais également de la place que l'on va accorder aux populations. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une volonté de coopérer au niveau international. Et il y a donc des discussions très importantes, régulières entre les États pour améliorer les relations entre États, mais pour améliorer les réglementations, notamment par exemple en matière de protection de l'environnement, en matière d'exploitation des ressources minérales, ou également une activité qui se développe et qui se diversifie dans les deux régions, par exemple le tourisme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Anne Choquet pour cette introduction sur les problématiques géopolitiques contrastées entre l'Arctique et l'Antarctique. La première question que j'aimerais vous poser, c'est en Arctique, qu'est-ce qu'on peut espérer voir émerger en matière de nouvelles juridictions à un horizon qui soit raisonnable, c'est-à-dire on va dire à 10 ans. Qu'est-ce que les 8 États possessionnés sont prêts à accepter aujourd'hui en matière de nouvelles réglementations partagées? Alors pour l'Arctique, c'est vraiment des approches, des petits pas. Il y a eu donc des volontés de coopérer qui ont permis l'adoption de nouvelles règles. Par exemple, en matière de pêche, on a un accord en 2018 qui a été adopté et qui prévoit donc de ne pas ouvrir
le centre arctique, aux activités de pêche. Là, il y avait vraiment une volonté de prendre en considération le fait qu'on ne connaissait pas suffisamment la région et qu'il fallait que l'on soit sûr que les activités de pêche ne poserait pas de problème sur la gestion des stocks, et donc on a décidé de ne pas ouvrir cette pêche-là. Et ce qui est intéressant, donc là concernant le futur par exemple pour cet accord, c'est que les États ont organisé un mécanisme original, mais à plus long terme, parce qu'on a déjà un point de départ, c'est que pendant 16 ans, on dit on n'a pas de pêche, mais que si on ne prend pas de nouvelles décisions, ça sera automatiquement reconduit tous les 5 ans. Merci. Je poserai une question du côté du pôle sud en conséquence. On entend beaucoup dire que le traité sur l'Antarctique peut être mis en péril, que le protocole de Madrid peut être mis en péril parce qu'il se termine en 2048, ou en tout cas il aurait une durée de validité jusqu'en 2048. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ces remarques que l'on entend très souvent ? Dans quelle mesure un traité peut à un moment être interrompu, par exemple ? Alors, on peut interrompre un traité si on le veut. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est que, contrairement à ce que l'on lit souvent, le traité sur l'Antarctique, le protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, ces deux traités-là n'ont pas prévu de fin. En fait, ils ont duré indéfinie. Alors, effectivement, on entend beaucoup parler de cette date, de cette année 2048. Alors pourquoi 2048 ? Parce que le protocole au traité sur l'Antarctique, donc sur la protection de l'environnement, donc le protocole dit de Madrid, il a été adopté en 1991. Il est entré en vigueur en 1998. Et de 1998 à 2048, on a 50 ans. Or, le traité sur la protection de l'environnement prévoit qu'il lier une nouvelle procédure si un jour on voulait lever l'interdiction des activités relatives aux ressources minérales. Actuellement, il est interdit d'envisager l'exploitation des ressources minérales. Cette exploitation ne peut être envisagée qu'à des fins scientifiques. Néanmoins, les États se sont dit il faut mieux garder une porte de secours si un jour on avait besoin véritablement d'aller rechercher les ressources minérales en Antarctique. Et donc on a en fait une première période qui va de l'entrée en vigueur du protocole jusqu'à 50 ans après son entrée en vigueur du protocole. Là, il faudrait l'unanimité des États qui ont un droit de vote. Et après, à partir de 2048, la procédure serait plus souple. Néanmoins, les conditions restent drastiques. Et donc, effectivement, on n'aura plus besoin de l'unanimité des parties consultatives, mais des conditions d'adoption des règles qui seraient très, très importantes également. Donc, je ne pense pas actuellement, en tout cas, qu'on envisage une levée de l'interdiction. Peut-être qu'en 2048, on serait obligé, mais là, il y aurait des conditions très, très importantes. Et surtout, il faudrait adopter un nouveau traité qui permettrait de protéger l'environnement prioritairement, mais également envisager une activité relative aux ressources minérales, mais avec des conditions très importantes et très drastiques. Merci. Je pense qu'il est temps de prendre des questions des internautes. Aude, ou est-ce que tu souhaites que je pose d'autres questions ? Allez-y, on vous écoute. Je peux continuer, très bien. On va rester, pour le coup, au pôle sud. On parle beaucoup du tourisme. Le tourisme est en forte expansion aujourd'hui en Antarctique. Alors évidemment, la pandémie a mis une halte, on va dire, temporairement pour l'année 2020-2021. Mais j'ai compris qu'en 2019-2020, on était monté à 70 000 touristes. Ce qui est un nombre très important. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, en fait, pour mieux contrôler, mieux réglementer ces activités touristiques, notamment pour contrôler qu'il n'y a pas d'impact environnemental majeur sur la faune notamment visitée ?
Alors, il y a déjà des obligations, puisque le protocole de Madrid prévoit pour toutes les activités des évaluations d'impact sur l'environnement préalable. Quand j'envisage une activité en Antarctique, que ce soit des activités scientifiques, que ce soit des activités touristiques, il faudra répondre, respecter les règles. Et donc, on a une évaluation d'impact automatique et toujours exigée, quel que soit le niveau d'importance de l'activité. Donc ça, c'est, il faut bien voir qu'il existe déjà des règles. Depuis l'adoption du protocole, on a eu des règles complémentaires, par exemple sur l'obligation d'avoir une assurance pour les tour opérateurs, l'obligation de nettoyer les bottes de manière anecdotique, par exemple. Mais c'est vraiment là également des petits pas, parce qu'il va falloir convaincre systématiquement les 29 États. Et il y a encore plein de choses à prendre en considération. Donc, par exemple, j'espère que pour la prochaine réunion, on pourra prendre des règles relatives aux observateurs. Comme il existe des observateurs des pêches à bord des navires de pêche, donc on aimerait effectivement avoir la possibilité de contrôler les navires de tourisme. Alors, bien sûr, on fait confiance, mais il faut aussi qu'il y ait une incitation à respecter les règles. Parce que le problème, c'est qu'on a un tourisme assez classique qui est un tourisme de croisière, mais il y a également une diversification des activités touristiques. Et ces activités touristiques, on peut envisager d'aller faire du kayak, d'aller faire de la plongée. Et on en parlera certainement tout à l'heure, c'est que on est dans une région fragile. Il faut faire attention à la protection de l'environnement, mais il faut également penser à la sécurité humaine. Or, on est éloigné de tout et il faut penser à ces questions. Donc là, par exemple, sur la sécurité humaine, la protection de l'environnement, il y a encore à faire parce que il y a toujours des personnes qui vont inventer de nouvelles activités. Il faut être prêt après à répondre à ces activités. Je peux me permettre encore une question. On va rester en Antarctique. Vous mentionniez le fait qu'il y a les parties consultatives, qui sont en fait des pays qui gèrent aujourd'hui des stations de recherche, au nombre de 29, et puis les parties non consultatives. Dans quelle mesure il y a un risque à l'avenir que les parties non consultatives souhaitent avoir une voix plus importante dans le contexte antarctique et donc artificialisent de manière accrue le continent pour créer des nouvelles stations de recherche? Donc là, ça serait envisager des stations de recherche par des parties non parties consultatives. Mais en revanche, il serait déjà important qu'elles soient membres partie au traité sur l'Antarctique. Donc là, il faut vraiment faire convaincre les États à adhérer de plus en plus au traité sur l'Antarctique, mais également à ceux qui ont adhéré au traité sur l'Antarctique, ils adhèrent également au protocole de Madrid. Alors, il y a une coopération qui est importante, qui se fait depuis des années entre les États. Et on voit également que les États qui sont des États côtiers, à partir desquels sont envoyées des expéditions, on aura un contrôle qui peut être fait sur la base de cela. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le traité sur l'Antarctique, il a été adopté en 1959. Il a été adopté sur depuis fort longtemps. Donc en droit, on a également la possibilité d'aller vers ce qu'on appelle la coutume internationale. Donc ce sont des règles qui se forment dans le temps. Et ça veut dire que même si on envisageait une personne qui aurait la nationalité d'un État non parti au traité, il y a quand même des règles à respecter. Donc vraisemblablement, les autres États vont inciter
Comme on a pu le voir, alors là je me souviens plus de quelle année, mais on avait un navire de tourisme important qui avait dit je vais partir sur la région australe. Il y a eu une coopération pour envoyer à l'État pour leur dire ben, faites attention, nous on a des règles, il faut envisager cela. Je pense qu'il y a une possible coopération pour inciter les États à faire attention à leurs ressortissants. Et concernant la construction de stations, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, vraisemblablement, il y aura également des discussions pour inciter, non pas créer une nouvelle station, mais plutôt de se rapprocher d'États qui ont déjà des stations dans lesquelles on va vers une coopération plus importante. On pourrait accueillir des équipes, par exemple. Très bien. Le temps encore pour une question. On passe aux internautes. Je continue avec une dernière question peut-être sur l'Arctique. On a bien compris que les États possessionnés ont des eaux territoriales et donc revendiquent évidemment leurs droits sur ces eaux avec les conséquences que l'on connaît sur le passage du Nord-Est et le passage du Nord-Ouest. Quid des revendications sur le plateau continental, cette fameuse dorsale de Lomonossov sur laquelle s'appuie la Fédération de Russie pour revendiquer au-delà finalement des eaux territoriales? Comment se gèrent justement ces nouvelles revendications? Qui décide et quelles sont les conséquences de ces décisions? Alors, là, on se retrouve sur la base de droits qui sont accordés aux États côtiers. Un État côtier a droit à un plateau continental. Le plateau continental, donc, c'est-à-dire, c'est le prolongement du territoire sous la mer. Et il est possible pour un État d'avoir automatiquement, si la configuration géographique le permet, l'État a le droit automatiquement à 200 000 marins de plateau continental. Néanmoins, il a la possibilité d'étendre ce plateau continental. Mais pour cela, il faut prendre en considération différents éléments. Il faut prendre en considération donc des éléments physiques, donc liés à son territoire, et donc de bien montrer que c'est bien le prolongement de son territoire naturel. Et donc la dorsale Lomonossov, justement, c'est la question. On a la possibilité de dire ben voilà, c'est chez moi, donc on prend en considération par exemple des éléments liés aux sédiments, des éléments liés au plateau continental. Et après on a surtout un temps limite. Donc, c'est-à-dire que la Convention sur le droit de la mer permet aux États d'étendre leur plateau continental. Mais pour cela, il faut qu'il respecte bien le temps. Donc, au départ, il était dit que c'était pendant 10 ans après l'entrée en vigueur de la Convention sur le droit de la mer. Cependant, on s'est rendu compte que ce n'était pas si facile que cela. Donc, on a laissé plus de temps. Donc, beaucoup d'États devaient déposer leur dossier jusqu'en 2009, et après, plus tard, c'est 10 ans après l'adhésion à la convention pour eux. Et alors, qui prend la décision? En fait, là, l'extension du plateau continental, c'est un droit de l'État, et donc l'extension, c'est un acte unilatéral. Donc, je suis un État, j'ai envie d'étendre mon plateau, je peux le faire si je réponds bien aux conditions fixées par la Convention sur le droit de la mer. Pour cela, je vais déposer un dossier à la Commission des limites du plateau continental. Donc, c'est-à-dire, c'est une institution des Nations Unies. La Commission des Nations Unies sur le plateau continental va étudier le dossier et va expliquer si on respecte bien les règles de la Convention, si le dossier est suffisamment précis, complet. En revanche, la Commission ne va pas prendre en considération la date à laquelle a été prise la décision d'étendre. Ce n'est pas l'organe qui va sanctionner ou qui va distribuer. Si on remarque des chevauchements, des prétentions territoriales par exemple, là,
On cherchera, comme on l'a fait dans le passé, notamment on a eu des affaires devant la Cour internationale de justice, par exemple l'affaire du plateau continental 1969, où là, la Cour va dire, première étape, vous devez rechercher un accord, et si vous n'avez pas d'accord, la Cour internationale pourra trancher. Mais en tout cas, la commission des limites du plateau continental vers laquelle on se tourne pour cette extension du plateau continental, elle n'est pas là pour dire, voilà, ce territoire, c'est votre territoire, celui-ci, c'est le territoire de votre voisin. Merci beaucoup. Je crois que Lucie prend la suite. Oui, alors justement, on parle de revendications territoriales et de plateau continental. Alors, on nous pose la question suivante. Est-ce que l'hypothétique fonte de la calotte ouest antarctique rebat-elle les cartes de certaines revendications territoriales ? Alors, les découvertes, c'est toujours difficile à gérer. Je veux dire, rebattre les cartes, j'ai pour l'habitude de dire que non, parce que, en fait, les États, il ne faut pas oublier que dans le cadre du droit international général, de manière, on a l'égalité souveraine des États, donc c'est déjà un principe. Et dans le cadre du traité sur l'Antarctique, par exemple, on a la règle du consensus. Donc, c'est-à-dire que les décisions sont prises ensemble. Donc, on ne va pas remettre en cause tout. Alors, justement, à la suite, on parle toujours de l'Antarctique. On nous demande si l'installation de nouvelles stations en Antarctique donne un poids particulier aux États. Alors, ça, c'est vraiment une question qu'on a souvent. Je vais dire, c'est facile de compter. Voilà, tel État a tel temps de stations. Après, c'est une question de moyens, d'accord. Mais après, est-ce que c'est intéressant de dire, voilà, je vais construire une station pour la construire. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que je suis capable de l'entretenir? Est-ce que je vais pouvoir faire des activités? Donc, on a effectivement, alors, de manière très simpliste, on compte. Mais après, il faudra voir également, le poids de la recherche qu'on y fera. Et aussi, est-ce que, alors, je vais dire, est-ce que la recherche qui est menée, est-ce qu'elle est efficace, est-ce qu'elle apporte quelque chose? Donc c'est une question pour laquelle j'ai vraiment du mal à répondre, parce que c'est très, à quantifier, c'est pas facile. Et encore plus, parce que, je reviens à la même idée, c'est que nous avons des décisions qui sont prises automatiquement en consensus. Donc ça veut dire qu'il suffit qu'un État dise non pour qu'une décision ne soit pas adoptée, mais là, concrètement, sur la prise de décision, juridiquement, on a tous le même poids. Alors bien sûr, on pourra me dire, oui, mais après, il y a, des coopérations entre États, pourquoi pas. Mais tout ça, c'est très difficile à évaluer. Alors justement, dans ce système du traité sur l'Antarctique, on nous demande justement que l'Antarctique est une terre à des fins scientifiques. Quelles sanctions seraient prévues si des nations utilisent l'Antarctique notamment à des fins militaires? Alors, je voudrais quand même préciser, l'Antarctique n'est pas réservé aux activités scientifiques. Donc, on peut envisager d'autres activités. En revanche, le traité sur l'Antarctique pose le principe de la non-militarisation et de la non-nucléarisation. Donc, le traité, en tant que tel, ne prévoit pas de sanctions, du type sanctions financières. En revanche, on a tout un mécanisme qui est pour moi exceptionnel pour l'Antarctique, parce qu'il ne faut pas oublier que le traité sur l'Antarctique a été adopté en 1959, qu'il a été adopté par les États-Unis, qu'il a été adopté par la Russie, donc l'URSS, en 1959. Et là, le traité sur l'Antarctique établit un mécanisme que l'on appelle un mécanisme d'observateur. Donc, c'est-à-dire que tout État parti au traité sur l'Antarctique
peut choisir d'aller mener des inspections dans les stations. Et donc on pourrait envisager donc déjà d'amener des observateurs, donc, c'est-à-dire des inspecteurs, et on a après des rapports qui seront rendus publics. Donc là c'est vraiment une sanction, alors classique en droit international, un rappel à l'ordre. Mais on ne prévoit pas de sanctions financières. Très bien. Alors, la question suivante est la suivante. Est-ce qu'une nation peut construire autant de bases qu'elle le souhaite en Antarctique ? On n'a pas de quota entre les différents États. Je dirais non. Parce qu'il y a justement ces évaluations d'impact sur l'environnement. Il est très important que les États prouvent qu'il n'y ait pas un impact trop important sur l'environnement. Et donc il y a automatiquement pour chaque construction de station, il y a une discussion entre États et on pourra inciter les États à coopérer. Et on voit justement, et notamment avec la station Concordia, c'est un bel exemple de coopération entre deux États et qui limite de fait la construction de nouvelles stations, par exemple. Merci Anne, merci Lucie. Donc nous passons désormais à la seconde intervention de la soirée avec Jérôme Chaplaz, directeur de l'Institut Polaire Français à Brest, qui va dans un premier temps nous rappeler les missions de l'Institut Polaire, puis les risques spécifiques au monde polaire dans lesquels travaillent toutes les équipes de l'Institut pour déployer chaque année la science en Antarctique, en Arctique et dans les îles subantarctiques. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Belle écoute. Merci. Merci beaucoup, Aude. Est-ce que le film est lancé ou pas encore ? Je vous laisse à la manœuvre. Donc, je rappelle déjà les fondamentaux. L'Institut Polaire Français, en fait, c'est l'agence nationale de moyens et de compétences qui permet aux chercheurs français d'être déployés dans les régions polaires. C'est une institution qui a été créée en 1992 à l'initiative du Premier ministre de l'époque, Michel Rocard, qui est par ailleurs le père du protocole de Madrid avec son homologue australien, l'ancien Premier ministre Bob Hawke. Nos missions, ça consiste essentiellement à gérer des infrastructures, de la logistique et fournir un financement dédié pour ces chercheurs. Nous avons trois grandes zones de travail, l'Arctique, les îles subantarctiques et l'Antarctique. Nos partenaires, ce sont les Terres australes et antarctiques françaises, la Marine nationale, l'Allemagne, l'Italie et l'Australie. Nos moyens, vous les avez vus en Antarctique, on a commencé à voir quelques images du navire ravitailleur l'Astrolabe. On voit à cet instant des images de la station française Dumont-d'Urville sur la côte, créée en 1956. Et voilà quelques images de l'autre station, la station de recherche Concordia, à l'intérieur du plateau antarctique, 3000 m² de bâtiments que l'on gère avec l'Italie, une station permanente fonctionnant depuis 2005 au cœur même du continent antarctique, à 3200 mètres d'altitude, température moyenne annuelle de moins 55 degrés. C'est un peu particulier. Voilà ici le navire du Marion Dufresne, propriété des Terres australes et antarctiques françaises, qui ravitaille les îles subantarctiques françaises, Crozet, Kerguelen, Amsterdam, Saint-Paul. Voilà un exemple de refuge. Notre institut gère une quarantaine de refuges distribués au cœur de ces espaces. Et puis voilà une station opérée par l'ETAF, la station Port-aux Français, à Kerguelen. Je rappelle que Kerguelen, c'est grand comme pratiquement la Corse. Nous voici au nord, le village scientifique de Nyalesund, où l'Institut Polaire travaille avec l'Allemagne pour gérer la station Avipev. Vous en voyez quelques-uns des bâtiments ici. Alors pour quelle science tout cela ? Voilà déjà un carottier. Une des opérations scientifiques importantes que l'on conduit là-bas, ce sont la production de carottes de glace dans les glaciers pour étudier le climat, étudier la composition de l'atmosphère, raconter l'histoire. Et là, vous voyez par exemple ici des carottes de glace issues du projet européen EPICA. On lance également des observations dans l'atmosphère. Ici, une installation pour observer le rayonnement cosmique. Voilà des chercheurs en train de collecter des micrométéorites à Concordia. C'est un site absolument exceptionnel pour cette collecte. Nous avons des astronomes. Vous voyez par exemple ici un télescope de 50 cm de diamètre permettant de découvrir des exoplanètes. Et puis évidemment, beaucoup de travail en sciences de la vie. Là, nous sommes à Dumont-d'Urville. Vous voyez des chercheurs en train de travailler sur un poussin à Adélie.
voilà, un autre oiseau spécifique. Ici, un chercheur qui travaille plutôt en liaison avec le géomagnétisme et la sismologie. Là, nous sommes projetés sur l'île Saint-Paul, à 37 degrés sud, donc on commence à être assez loin. Et là, ce sont des études sur les pétrels géants. On va voir ensuite, je pense, des images des gorfous sauteurs, qui sont des espèces assez fascinantes dans ces milieux, qui sont parfaitement adaptées et qui vivent dans les falaises. Nous voilà en Arctique. Là, la recherche en question, c'est l'étude de la neige, les propriétés physiques de la neige, l'évolution des polluants. On regarde également l'évolution de l'atmosphère, beaucoup de mesures météorologiques, mesures de radiation. Ici, des études de l'atmosphère, de la haute atmosphère. Les images qui viennent vont vous illustrer plutôt l'aspect du risque. Évidemment, travailler dans les régions polaires, conduire de la science là-bas, c'est extrêmement exigeant. Pour des raisons de froid, pour des raisons de vent, pour des raisons d'isolement, vous voyez ici, on est à Concordia, en plein hiver austral, il fait moins 70 degrés, et il faut travailler quand même. Parfois, la vie peut être dangereuse. Ici, vous avez un léopard des mers, une espèce qui paraît inoffensive comme ça, mais qui peut être dangereuse quand on s'en rapproche avec ses crocs. Là, j'illustre évidemment le travail de la Marine nationale avec l'Astrolabe. Ce navire traverse les mers les plus déchaînées du monde. Ensuite, il doit frayer son chemin à travers de la gaz de mer. Vous le voyez ici à l'approche de Dumont-d'Urville. Ce sont des manœuvres délicates. Il faut protéger le navire. Le commandant Tuccelli pourra nous en parler très longuement tout à l'heure. Et en même temps, il faut progresser et éviter de se faire coincer, pas mettre le navire en danger. Une fois qu'on a atteint un certain point dans la gaz de mer, parfois le navire ne peut plus avancer, la gaz de mer est trop épaisse. Et là, l'Institut met en place un système de ravitaillement. On est sur la gaz de mer. Imaginez que sous ce conteneur, il y a plusieurs centaines de mètres d'épaisseur d'océan et seulement 1 ou 2 mètres d'épaisseur de gaz de mer. Et là, on a mis en place des systèmes de convois qui permettent de récupérer les charges. Et avec une dameuse, avec des systèmes de coussins que l'on a inventés au niveau de l'Institut, on peut passer la gaz de mer et notamment passer ces fameuses rivières où là, l'océan est vraiment à travers cette crevasse accessible de manière à pouvoir progresser sans risquer de perdre les hommes et le matériel à travers la gaz de mer. Le risque, évidemment, il est aussi associé à l'hélicoptère. C'est un outil extrêmement important de travail à Dumont-d'Urville. Et je dois dire, je dois évidemment déplorer que les rares décès que l'on a eus dans nos expéditions étaient liés à l'usage de l'hélicoptère, qui reste en Antarctique, en Arctique comme ailleurs, un instrument fantastique mais extraordinairement dangereux et qui impose l'application de règles très particulières. Quand on est au cœur du continent, ben voilà à quoi ça ressemble. On avance au milieu de nulle part. Et là, tout l'enjeu, eh bien, c'est d'assurer la survie des gens, la protection des gens, isolés, coupés du reste du monde, coupés des astrostations. Dans ces conditions, vous voyez avec ces images, on peut se retrouver facilement perdu parce qu'il y a du blizzard, parce qu'il y a ce qu'on appelle du white-out, qui fait qu'on ne voit pas plus loin que quelques dizaines de mètres et on peut perdre le camp. C'est une espèce de... Ce camp, vous le voyez ici, ce sont des caravanes sur des traîneaux. Et finalement, c'est le cordon ombilical à la vie. C'est là où on a un peu d'énergie, un peu de chaleur. Et c'est là où on peut vivre à peu près confortablement. Un risque auquel on ne pense pas beaucoup, ce sont voilà, l'illustration de deux personnes qui doivent couper du reste du monde, créer une nouvelle société, une micro-société avec ses règles. Et le risque, finalement, c'est le risque social, c'est-à-dire qu'il faut se comporter de manière suffisamment intelligente pour tolérer l'autre et inventer cette société qui fonctionne, couper du reste du monde au milieu de nulle part, de manière à ce que l'état d'esprit soit bon tout au long de la mission. Et puis voilà, le risque, c'est évidemment, on est au milieu de nulle part, ça nous ramène à notre petit test d'humain, au milieu de ces environnements. Je conclurai ces quelques images par la priorité absolue de l'Institut. C'est quoi ? C'est de ramener tout le monde sain et sauf au terme de la mission. La science, elle est belle, la science, elle est utile, mais la science ne mérite pas de sacrifier les individus. Et donc, toute première mission, c'est de ramener tout le monde sain et sauf. Les éléments qu'il faut avoir en tête quand on travaille dans les milieux polaires, c'est de sensibiliser les personnels qui s'y rendent. La principale responsabilité que chacun porte, c'est de faire attention à lui-même, de faire attention aux autres, de ne pas prendre de risques inappropriés. On forme évidemment les individus, on les forme aux environnements dans lesquels ils travaillent, notamment quand on est sur la côte antarctique, il y a des crevasses. Il s'agit d'appliquer des règles draconiennes pour éviter qu'on voit un personnel passer à travers les crevasses. Ils font un équipement particulier. Vous imaginez bien quand on travaille à Concordia et qu'il fait entre moins 20 degrés au plus chaud de l'été et moins 80 degrés au plus froid de l'hiver, il faut des équipements spécifiques pour protéger les gens.
Il faut anticiper, tout anticiper. Quand vous avez un navire comme celui-ci qui part en pleine mer pour pratiquement un mois de navigation, on n'a pas le droit de revenir parce qu'on a oublié quelque chose. Il faut absolument avoir tout ce dont on a besoin. Il n'y a pas de magasin à proximité. Le magasin, c'est nous qui le créons. Il faut avoir tout anticipé. La réactivité, on peut être surpris. On peut être surpris par des tempêtes. On peut être surpris par des mauvaises conditions météorologiques. Et là, il faut être réactif. Il y a peu de temps pour réfléchir. Je pense que ça rejoint tout à fait les conditions que connaissent nos amis de la Marine nationale. On est en théâtre d'opération. Il faut réfléchir et décider vite, parce que la vie des individus est en jeu. Dernière valeur qui est importante dans notre contexte de travail, c'est l'entraide internationale. Nous disposons évidemment de moyens particuliers dans le contexte antarctique, mais quand ça va mal, nous sommes très heureux d'avoir d'autres nations investies sur les mêmes théâtres d'opération, sur lesquels on peut s'appuyer en cas de difficulté. Et typiquement, quand il arrive, heureusement rarement, que l'on doive organiser une évacuation médicale, on est loin de tout, il faut ramener quelqu'un en hôpital, parce que les hôpitaux dont on dispose dans les stations ne sont pas suffisamment équipés pour gérer le problème médical en cours, eh bien on se réunit, on discute. On a eu à gérer ça pendant cette campagne 2020-2021 en Antarctique, avec une personne qu'il a fallu évacuer de Concordia, qu'on ne pouvait pas opérer sur place. Et ça a été une organisation entre l'Italie, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et la France qui a permis d'évacuer cette personne jusqu'à un hôpital à Christchurch en Nouvelle-Zélande où elle a pu être soignée correctement. Voilà, je terminerai là mon propos et puis je prends très volontiers les questions. Merci Jérôme. Alors moi je, alors vous avez bien insisté sur sur l'idée donc de ramener sains et saufs les personnes. Comment ça se passe concrètement du côté de voilà de la santé? Est-ce qu'il faut répondre à des conditions physiques particulières, mais également certainement des conditions mentales, si je peux utiliser ce terme-là? Tout à fait. On a pour le coup deux catégories de personnel. Soit on envoie des personnels en ce qu'on appelle des campagnes d'été. La campagne d'été en Antarctique, ça va aller en gros de fin octobre jusqu'à fin février. Ce sont des missions donc qui peuvent durer 4 à 5 mois. On va avant tout regarder les conditions médicales du personnel concerné. Il peut y avoir des tests d'effort pour s'assurer que le système cardiaque, le système respiratoire fonctionne très bien. Évidemment que le système dentaire soit en parfait état, que le cœur soit en parfait état. Après, on a les hivernages. Les hivernages, c'est quoi? Ce sont des personnels que l'on envoie pour rester 12 à 13 mois dans les stations. Et là, effectivement, le critère psychologique est essentiel. Ce sont des personnes, on va reprendre le cas de Concordia, c'est un petit groupe de 12 individus. À l'heure où on parle, ils sont 12 dans la station Concordia. On ne peut pas aller les chercher, ils doivent se débrouiller. Et les prochains humains qu'ils verront à la fin de leur hivernage, ce sera début novembre. Et ils vont passer 4 à 5 mois dans l'obscurité la plus totale. On imagine bien qu'un groupe d'individus isolés du reste du monde de cette façon-là doit parfaitement fonctionner, créer sa micro-société où tout le monde s'entend, tout le monde se respecte, tout le monde met en veille les sautes d'humeur que chacun peut connaître dans la vie de tous les jours. Donc effectivement, on a ces examens extrêmement exigeants. Je rajouterai en complément de votre question, qu'à Concordia, on travaille avec l'Agence spatiale européenne sur des projets en biomédecine de manière à anticiper les futures missions habitées dans l'espace, vers Mars ou vers la Lune, de manière à ce qu'on apprenne justement de ce qui se passe à Concordia. On apprend sur le plan psychologique, on apprend sur le plan physiologique également, comment l'homme s'adapte à un environnement où on est à 3200 mètres d'altitude. La pression atmosphérique est équivalente au sommet de l'aiguille du Midi à 3700 mètres chez nous. Où le système immunitaire est en veille quelque part, donc comment il va réagir quand à nouveau des individus sont à leur contact, comment le sommeil fonctionne puisqu'il n'y a plus de cycle diurne ou nocturne. Donc tout ça, ça intéresse énormément l'Agence spatiale européenne qui travaille sur ces sujets-là. D'accord. Et concernant, alors parce que là, donc on a une bonne connaissance maintenant quand même du terrain, mais les relations d'une équipe à l'autre, et comment ça s'est passé, cette approche historique? Alors, ça fait longtemps qu'on a des personnes, des équipements français donc en Antarctique. On a cette historique, ce lien entre les différentes générations, par exemple, de chercheurs?
Oui, c'est important parce qu'il y a, un apprentissage évidemment en sciences, en milieu polaire comme ailleurs, et puis en gestion des infrastructures et de la logistique, pareil. Il y a des passages de relais. Alors ça me donne l'occasion de rappeler un petit peu l'histoire de la France en Antarctique quand même. La France a fait partie des découvreurs, puisqu'on a l'amiral Jules Dumont-Durville, premier Français à poser le pied, et probablement un des premiers humains à poser le pied en Antarctique, 21 janvier 1840. Ensuite, il a fallu attendre le début du XXe siècle, les années de 1904 à 1909, quand le commandant Charcot est parti hiverner dans la péninsule antarctique. C'était le premier à créer réellement, mettre en place des études scientifiques en Antarctique. Et puis après, il y a à nouveau une période où la France, finalement, n'était pas présente. En 1928, il se trouve que la Norvège, pas 1928, je me trompe sur la date, je pense que c'était plutôt dans les années 40, la Norvège a contesté en fait le fait que la France revendiquait la possession de la Terre Adélie. Et ça a été justement l'occasion pour Paul-Émile Victor, qui était un très grand explorateur et scientifique, beaucoup investi au Groenland à l'époque, de contacter le gouvernement, de prendre attache auprès du gouvernement en 1947 et d'obtenir la création des expéditions polaires françaises, mission Paul-Émile Victor, avec la mission notamment de retourner en Antarctique pour implanter une station de recherche et réimplanter la France finalement sur ce continent. Ça s'est produit avec la mise en place de la station de Port-Martin qui hélas a vu deux hivernages et qui ensuite a brûlé totalement, heureusement sans blessés et sans morts. Et puis ensuite en 1956, la mise en place de la station du Mont-Durville que l'on opère depuis. Donc les expéditions polaires françaises ont fonctionné jusqu'en 1992 et ensuite c'est notre institut qui a été mis en place, décision du gouvernement, pour faire en sorte qu'il y ait une seule structure gérant finalement ses capacités logistiques et opérationnelles pour la France, en Arctique, dans le subantarctique et en Antarctique. Et on poursuit comme ça. Mais effectivement, parmi nos personnels, il y a des anciens des expéditions polaires françaises, alors maintenant qu'ils nous ont quittés, mais il y a eu ce passage de relais. Oui. Mais alors tout ça, ça doit coûter cher, non ? Ben, effectivement, on peut se poser la question du prix. Donc, je peux donner un chiffre là-dessus. Le budget de l'Institut polaire français, c'est 16 millions d'euros par an. Alors on peut dire dans l'absolu, c'est une grosse somme. Quand on va regarder le budget du Centre national d'études spatiales qui se chiffre en milliards d'euros, je pense que ça donne une perspective là-dessus. Et effectivement, la science dans les milieux polaires coûte cher parce que gérer des infrastructures là-bas, c'est compliqué, c'est coûteux. Ce sont des infrastructures que l'on doit inventer, créer, gérer, maintenir. Et puis s'y rendre, c'est extrêmement compliqué puisqu'on est au bout du monde et on ne s'y rend pas très très facilement. Après, ce qu'il faut regarder, c'est par rapport aux autres nations. Donc effectivement, la France, je dirais, n'est pas dans le peloton de tête, bien, bien loin de là, des investissements dans les régions polaires. Je peux citer quelques nations qui sont tout à fait comparables aux nôtres, les Royaumes-Unis, l'Allemagne, la Corée du Sud, l'Australie ou même l'Italie investissent plus que la France dans le soutien à la science en milieu polaire. Alors on pourrait dire de manière très cynique, pourquoi investir plus, puisque la science française est remarquable, est reconnue, vraiment figure dans le top mondial, donc continuons comme ça. Mais je pense qu'on est dans une situation de grande fragilité et qu'il va être temps, effectivement, si la France veut conserver son rang de puissance polaire, veut conserver sa notoriété dans le domaine scientifique, il va falloir réinvestir et effectivement ne pas se contenter des 16 millions d'euros que l'on donne chaque année aujourd'hui à l'Institut polaire. Et alors, pour investir des moyens donc avec des coopérations entre États, ou est-ce qu'on pourrait envisager également que... Alors là, on a un développement du tourisme dans la région antarctique, ou en Arctique également. Est-ce qu'on pourrait envisager que les touristes viennent, par exemple, payer des nuits d'hôtel dans les stations? Ou est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait des taxes pour aider les scientifiques? Je ne crois pas que ça va être la solution, d'autant que si on raisonne dans le contexte antarctique, la France en fait opère Dumont-Durville et Concordia, qui sont deux sites très distants des intérêts touristiques. Pour se rendre là-bas, ce sont plusieurs jours de navigation. Un touriste, en fait, il en veut pour son argent, donc chaque jour doit amener son lot de découvertes. Donc je pense que ce ne serait pas un mécanisme qui fonctionnerait. Par contre, le mécanisme qui peut fonctionner potentiellement avec les touristes, c'est de s'associer à des tours opérateurs de manière à conduire de la science avec leurs propres moyens. Nous avons actuellement des discussions, notamment en France, avec la compagnie du Ponant, qui va lancer un nouveau brise-glace qui s'appelle le commandant Charcot. Et la compagnie du Ponant travaille à mettre des équipements scientifiques à bord, avec la possibilité que 4 scientifiques travaillent pendant la campagne, pendant la croisière. Et je pense que c'est effectivement une idée à creuser, avec évidemment, il faut mettre des garde-fous, il ne faut pas que la science serve finalement à justifier des activités touristiques. Je pense qu'il faudra garder une frontière saine entre les deux, mais c'est une voie effectivement d'amélioration.
Après, sur la question des collaborations, elles sont déjà là et je pense qu'elles vont aller croissantes. Je prends l'exemple de Concordia. Concordia nous coûte environ 5,5 millions d'euros par an au niveau de l'Institut et autant pour l'Italie. Donc on est sur une structure qui coûte un petit peu plus de 10 millions d'euros chaque année. C'est beaucoup dans l'absolu et ça sert essentiellement à de la science française et italienne. La ministre de la Recherche nous a demandé de travailler sur la possibilité d'ouvrir cette station. Et la question, évidemment, c'est à quel partenaire ? Le partenaire assez naturel pour nous, ce serait l'Australie, puisqu'on travaille beaucoup avec l'Australie. Nous avons des liens logistiques très forts. Mais en même temps, on a parlé de l'Europe tout à l'heure, la question de l'Europe. Est-ce que l'Europe peut avoir un pied à travers Concordia, d'une certaine façon ? Je pense que c'est vraiment à explorer. Mais là, je dirais que c'est un niveau qui n'est pas seulement scientifique, c'est un niveau vraiment très politique. J'ai encore une autre question ? Bien sûr, Anne, vas-y. Oui, je peux. Et justement, alors si il y avait donc il y a des touristes, donc plus de navires, concrètement, il y a un accident, un navire qui heurte un rocher, peut-être qui ne serait pas cartographié, par exemple. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a des automatismes, des essais? Très bonne question. En plus, j'ai eu la malchance, de vivre ça à titre personnel. C'était en 2013-2014. Nous étions en campagne avec les Australiens à l'intérieur du continent antarctique. Et un navire avec des scientifiques, un petit peu, des touristes, beaucoup, s'est trouvé bloqué par la glace de mer au large de l'ancienne station de Mawson Hut, où Mawson avait mis le pied, le premier Australien à mettre le pied en Antarctique. Et derrière, ça a été très simple, il a fallu que l'ensemble des nations sur zone arrêtent toute leur activité, déroutent leurs navires pour aller sur zone pour leur porter secours. Et ça a été un drame pour les Australiens, puisque leur brise-glace a été monopolisé pendant 3 semaines pour porter secours à cette équipe. Et pendant ce temps-là, tous les programmes de recherche qui avaient été préparés, certains depuis 10 ans, ont été tout simplement arrêtés, abandonnés. Les Chinois ont dérouté également leur brise-glace. Ça a complètement perturbé leur campagne puisqu'ils devaient se rendre sur une autre station. Ils ont arrêté cette expédition. Et nous, notre chance qu'on a eue avec côté français, c'est que l'Astrolabe a été dérouté. Mais comme l'ancien Astrolabe, ses capacités glace étaient assez limitées, on s'est rapidement rendu compte qu'il n'était pas en mesure de pénétrer dans la zone de glace de mer pour aller secourir ses touristes. Et donc, il a été effectivement autorisé à reprendre son parcours normal. Donc c'est très impactant et on le voit bien aujourd'hui. On voit beaucoup d'explorateurs, beaucoup d'aventuriers qui veulent se rendre en Antarctique, un petit peu la fleur au fusil, façon de parler, et qui s'imaginent que derrière, c'est facile, s'il arrive quelque chose, on répondra. Mais en fait, si on répond, et on est obligé de répondre, puisqu'il y a une vie en jeu, on met en péril l'ensemble de nos activités. Et potentiellement, on met en péril la vie d'autres personnes liées à ces expéditions. Merci Anne. Jérôme, je vous invite à rejoindre votre fauteuil. On va passer aux questions des internautes, si vous voulez bien. Donc Lucie nous a préparé une série de questions. Alors vous parliez financement. On nous demande concrètement qui aujourd'hui s'occupe de financer les études scientifiques. Alors, il y a deux guichets, je dirais. Le rôle de l'Institut polaire français, c'est de financer tout ce qui est relatif au terrain. Et évidemment, c'est coûteux, puisqu'il faut emmener les chercheurs sur place, il faut entretenir les infrastructures. Notre apport, c'est essentiellement ça. En coûts consolidés, c'est le plus gros des budgets. Et on apporte un petit peu de financement, on apporte un petit peu d'équipement, un petit peu de fonctionnement, on va dire des budgets de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros par projet par an. Le chercheur ensuite doit aller chercher d'autres sources de financement, c'est-à-dire que le travail qui est fait en laboratoire, nous on ne le finance pas. Donc ce sont des financements en général de l'Agence nationale de la recherche ou d'autres sources de financement régionales ou nationales que l'on peut trouver en France, ou sinon ça peut être l'Europe. Des chercheurs, beaucoup de chercheurs vont chercher les financements les plus importants auprès de l'Europe par le Conseil européen de la recherche, le RC, ou par les projets de ce qu'on appelle H2020 et maintenant Horizon Europe. Et pour compléter, alors quels sont les domaines scientifiques qu'on étudie au pôle Sud ? Alors les grandes catégories au pôle Sud, ce sont ce qu'on appelle les géosciences et les sciences de l'univers, c'est-à-dire l'étude de la Terre, depuis la Terre interne, les séismes, le magnétisme, en passant par la glaciologie, donc l'étude des glaciers et de la neige, jusqu'à l'atmosphère, la haute atmosphère et jusqu'à l'espace. Et l'autre grande catégorie, ce sont les sciences du vivant.
On va étudier les espèces spécifiques, faune, voire flore dans le cas des îles subantarctiques, qui se sont adaptées à ces environnements. On étudie évidemment leur évolution et leur capacité d'adaptation à un environnement changeant. Alors, on parle du personnel. Comment est-ce que se fait la formation du personnel? Comment est-ce qu'on peut candidater pour partir dans ces territoires? Est-ce qu'il y a un âge limite? Alors, je vais commencer par la fin. Il n'y a pas vraiment d'âge limite. La limite, ça va être l'aspect médical. Donc, on a des gens sur le terrain qui ont jusqu'à 60 ans, mais qui sont médicalement adaptés. Donc, leur contrôle médical le permet. Sur comment candidater, c'est très simple, allez sur le site institutpolaire.fr, on a une rubrique recrutement, on est encore aujourd'hui en ce moment dans la phase de recrutement, alors il faut pas rêver, hein. Les métiers que l'on recrute, ce sont des métiers très techniques, avant tout, donc ce sont des gens qui vont entretenir les infrastructures, ce sont des mécaniciens, des chauffagistes, des électriciens, des gestionnaires de fluides, plombiers, etc. Donc des gens vraiment qui vont gérer les infrastructures. Au niveau de la science, on va recruter des jeunes, donc des volontaires au service civil ou des volontaires internationaux qui vont implémenter les projets de recherche à la place du chercheur sur le terrain. Et là, effectivement, on va dire que l'âge est plutôt limité, c'est-à-dire qu'on prend des jeunes. Donc ce sont des gens qui ont entre, je dirais, une petite vingtaine d'années et une trentaine d'années. Alors, on a un internaute qui voudrait revenir sur le terme de partenaire. Est-ce que si on parle de partenaire, ça veut dire que toutes les informations dont on dispose ne sont pas partagées avec l'ensemble de la communauté scientifique? Non, le terme de partenaire, déjà il y a un point, et Anne Choquet aurait pu le souligner si on lui avait posé la question. Une des particularités du traité sur l'Antarctique, c'est que toutes les informations que l'on collecte en Antarctique doivent être librement distribuées. C'est l'article 3 du traité. Et donc on ne peut pas garder pour soi les informations, on doit les diffuser. La notion de partenariat, elle veut dire qu'on fait en sorte d'échanger nos services pour être plus efficaces. Et la France le fait beaucoup avec l'Australie. Je vais prendre l'exemple le plus récent. Pendant le mois de mars, on a utilisé le navire ravitailleur l'Astrolabe pour ravitailler l'île subantarctique australienne qui s'appelle Macquarie. Et on a rendu service aux Australiens de cette façon-là. C'était moins coûteux de le faire de cette façon-là, plus efficace sur le plan de l'agenda également, que d'utiliser un brise-glace australien. Et je dirais, la contrepartie, on l'avait eu avant, puisque en novembre 2019, on a eu une grosse avarie avec l'Astrolabe, hélas, et ce sont les Australiens qui nous ont sauvé la mise en mettant à disposition leur brise-glace pour ravitailler du Mont-Durville et Concordia. Donc c'est vraiment ça le partenariat, être efficace sur les terrains que l'on partage. Merci. Alors, Laurent nous demande, quels sont les moyens de communication actuellement entre les bases? Les moyens de communication entre les bases, alors on a Internet, mais pas beaucoup, hein, c'est des faibles débits. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'à Concordia, aujourd'hui, on doit tourner à 500 kilobits par seconde pour les spécialistes, donc ce n'est pas grand-chose. Il faut dire que les satellites sont au ras de l'horizon parce qu'on est à 75 degrés de latitude sud. Et à Dumont-Durville, on doit avoir un débit de l'ordre de 250 à 500 kilobits par seconde. Avec ça, on peut communiquer vers l'extérieur, y compris vers les autres bases. Et je pense que le lien le plus fort qu'il y a entre les bases pendant les campagnes en Antarctique, c'est le festival du film, puisqu'il y a un festival du film antarctique. Et en fait, chaque équipe d'hivernage, il va de son idée. Il y a une compétition libre en fait sur l'idée, sur le concept. Et puis parfois, il y a un sujet choisi. Et voilà, c'est un petit peu leur lien à distance. Ils créent une espèce de communauté à distance au travers du continent antarctique de cette façon-là. Alors, toujours côté Antarctique, avant qu'on change de côté de la planète, est-ce que la présence de l'homme et les passages sur la glace et sur la mer dérangent les animaux? Sur l'Arctique ou sur l'Antarctique? Sur l'Antarctique. Sur l'Antarctique, alors, oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. L'impact de l'activité humaine sur les animaux, évidemment, c'est un vaste sujet. Et je dirais que déjà, les scientifiques qui travaillent sur le sujet, c'est leur premier souci, leur premier problème. Le scientifique, il ne veut pas perturber ce qu'il étudie. Sinon, la mesure est biaisée. Donc, l'objectif, c'est effectivement, quand on étudie une espèce, de ne pas la perturber, ou en tout cas, le moins la perturber possible. Et il y a eu des études dans ce sens-là pour effectivement garantir qu'on ne perturbait pas les espèces, avec parfois des loupés. Hein. On s'est rendu compte, par exemple, que pour les manchots, à une époque, on leur mettait un bagage sur l'aile, sur la nageoire. Et en fait, on s'est rendu compte que ce bagage avait un impact sur leur capacité de nager, en fait sur leur performance dans l'eau.
Et depuis, on a modifié effectivement la pose de cette espèce de repère qui permet de trouver un individu quelques mois ou quelques années après. Et ça a été une adaptation finalement de la technique scientifique pour ne pas perturber l'animal. Alors une dernière question avant, à moins qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Ce coup-ci, du côté de l'Arctique, on nous demande est-ce que tous les pays non arctiques travaillent sur des sujets de recherche similaires ou est-ce qu'il y a des particularités en fonction des pays ? Les sujets restent à peu près tous les mêmes. La science en milieu polaire, comme je disais, c'est la science, les géosciences, les sciences de la Terre, les sciences de l'univers, les sciences du vivant, et se rajoutent en Arctique les sciences humaines et sociales, puisqu'évidemment, on a des populations autochtones dont les questions sont évidemment leur évolution, les aspects d'archéologie, d'adaptation, évidemment, dans un environnement très changeant. Je ne pense pas que les nations se spécialisent vraiment. Je pense que l'ensemble des nations qui travaillent en Arctique abordent l'ensemble de ces sujets, sans effet dominant. Je réfléchis en parlant, peut-être que la petite nuance, ça va être autour de l'océanographie. Parce que quand on veut travailler en Arctique, dans l'océan Arctique, il faut nécessairement un brise-glace. Et là, pour le coup, toutes les nations ne sont pas équipées. La France n'a pas de brise-glace pour des missions océanographiques. On a le navire à capacité glace, l'Astrolabe, on en reparlera tout à l'heure, mais il n'a pas de mission océanographique en tant que telle. Donc c'est là que va se faire la différence. Effectivement, des pays très impliqués dans l'océanographie arctique possède un brise-glace capable de se rendre jusqu'au pôle Nord pour conduire les scientifiques là-bas. Merci Jérôme. Merci Lucie. Merci à vous pour vos questions. Donc c'est le moment de notre table ronde. Après avoir parlé de la complexité des décisions à prendre dans les pôles, puis des risques rencontrés, nous nous penchons désormais sur le rôle et les missions de la Marine nationale dans ces milieux. Jérôme Chaplanes, animera cet échange avec le vice-amiral d'escadre Olivier Lebas, le capitaine de frégate Céline Tuccelli et le capitaine de frégate Philippe Guénaud. Une dernière fois, je vous invite à poser vos questions. Belle écoute. Merci Aude. Je remettrai le masque ensuite. Amiral, vous aurez l'honneur de la première question. Donc, selon vous, quels intérêts présente la zone Grand Nord, Arctique, globalement ? Quels sont les enjeux, finalement, là-bas, avec un regard défense marine nationale ? Alors, il est vrai que le réchauffement climatique ouvre très clairement dans la région Arctique de nouvelles perspectives, qui sont, par exemple, la possibilité d'envisager à terme l'ouverture d'une route commerciale, la route nord-est, ou alors, dès aujourd'hui d'ailleurs, des facilités ouvertes grâce à la fonte des glaces, au réchauffement, des facilités pour exploiter des ressources minières, des ressources gazières, comme par exemple aujourd'hui en Russie, des nouveaux centres d'exploitation de GNL qui ont été implantés il y a 5 à 10 ans, après de très gros investissements. Alors ce changement de contexte, ces opportunités, évidemment, réveillent des appétits. Des appétits entre États, entre États de puissance, et donc réalimentent une compétition entre tous ces États. Alors, dans ce contexte, quels sont les intérêts de la France, en fait, hein ? Alors, bien sûr, il y a des intérêts économiques qui sont réels, mais qui ne sont pas majeurs. On a bien la participation de Total dans la station Yamal que j'évoquais. Mais ce sont surtout les pays riverains, les 5 pays états riverains de l'Arctique qui vont vraiment profiter de ces nouvelles possibilités, de ces nouvelles ressources. Il y a bien sûr des enjeux et des intérêts scientifiques. Vous les avez soulignés tout à l'heure. La France est une nation scientifique reconnue sur l'Arctique comme pour l'Antarctique. Et par exemple, elle est en 9e position pour les publications sur l'Arctique. Donc on a tout intérêt à continuer à publier, à connaître cette région et notamment à étudier ses évolutions. Il y a également des enjeux de diplomatique. Alors, les enjeux diplomatiques, c'est faire en sorte que la France soit une nation reconnue dans cette région, une nation actrice aussi de son destin, parce que le destin de l'Arctique, surtout avec le réchauffement, est un destin qui nous concerne aussi, même si nous ne sommes pas directement un pays riverain. Puis nous avons aussi la chance d'être un État invité dans le Conseil de l'Arctique et donc de pouvoir participer aux débats, etc. Donc il est très important d'avoir une légitimité dans cette région, d'y être reconnu. Donc ça passe par des partenariats avec les pays riverains,
Ça passe aussi par une bonne coopération avec nos amis européens, parce que c'est bien tous ensemble, de manière coordonnée, qu'on pourra être légitime dans cette région. Et puis également par des capacités scientifiques, on les a évoquées, et puis aussi des capacités militaires, des capacités d'investissement économique, de partenariat avec ces pays pour les aider à développer leur région. Puis il y a aussi des intérêts militaires. Des intérêts militaires qui sont liés à la connaissance de la zone et puis le développement d'une coopération militaire. Alors d'ailleurs, je vais m'attarder un petit peu sur ces enjeux militaires pour nous. Quels sont-ils ? En fait, le principal objectif pour nous, militaires, marins, c'est de garder toute notre profondeur stratégique dans le nord de l'océan Atlantique. Et donc pouvoir connaître ce qui se passe tout là-haut pour pouvoir mieux anticiper ce qui va pouvoir se produire plus près de nos côtes. Tout ça, donc, c'est bien en vue de protéger nos approches et puis aussi de permettre à notre dissuasion nucléaire, qui est mise en œuvre depuis Brest, de garder toute sa, comment dire, son espace de manœuvre, sa liberté d'action. Enfin, ce qui est un enjeu très important pour notre défense. Donc, pour ça, connaître, garder notre profondeur stratégique vers le nord. Comment on procède ? Eh bien, il faut d'abord s'y déployer. Il faut être capable d'aller là-bas et pour observer, pour se renseigner, pour comprendre. Et puis ensuite, bien sûr, utiliser ces informations pour anticiper, comme j'ai dit, garder notre profondeur stratégique. Il est aussi important d'être capable de coopérer avec tous ces États. La France n'envisage pas des déploiements dans cette région de manière totalement nationale. Elle le fait toujours et très souvent dans le cadre de coopération multilatérale ou bilatérale. Donc, voilà, ça passe vraiment par des déploiements. Alors, on pourrait se poser aussi la question, y a-t-il vraiment... Bien sûr, il y a ce besoin de profondeur stratégique, mais y a-t-il aussi des risques de conflictualité nouvelle ? Eh bien, on observe quand même, dans cette région, depuis 10 ans, 15 ans, une remilitarisation très marquée. Elle est très nette sur la côte nord de la Sibérie, de la part de la Russie, par exemple. Et pas seulement la Russie. Alors on pourrait tout à fait considérer que cette remilitarisation, d'une certaine manière, est légitime. Je comprends très bien qu'un pays souhaite protéger ses intérêts, ses nouvelles installations, ses routes maritimes qui s'ouvrent. Et d'ailleurs, le fait qu'elles soient protégées, c'est aussi une garantie pour ceux qui l'empruntent de pouvoir bénéficier d'un sauvetage s'ils devaient se trouver en difficulté. Donc il y a des aspects positifs aussi à ce réinvestissement, à cette remilitarisation de la région. Mais il se trouve aussi que, pour ce qui concerne la Russie, cette remilitarisation s'inscrit dans un cadre de crispation entre cet État et l'OTAN, cet État, ce pays, ce voisin, et les pays européens, notamment après les événements de 2014 Crimée. Donc évidemment, par conséquent, cette remilitarisation de la Sibérie, même si elle peut paraître légitime, est aussi source d'inquiétude. Et d'ailleurs, on observe qu'elle s'accompagne de manœuvres de la part de nos voisins, des Russes, de manœuvres de, pas d'intimidation, mais de tests en quelque sorte. Les Russes viennent tester de plus en plus nos dispositifs, nos capacités militaires, ils viennent les vérifier, un peu nous jauger. Et nous, de la même manière, il est important d'être présents et de montrer que nous avons bien ces capacités, que nous sommes en mesure de nous protéger. Donc on est bien dans ce jeu on se jauge les uns les autres et on vient titiller régulièrement. Alors, on est tout à fait, les choses se passent bien, hein, on n'est pas du tout. Mais c'est néanmoins un face-à-face qui nécessite un investissement sérieux et puis un engagement très fort de toutes de nos alliés, de nous-mêmes, hein, dans cette zone. Puis il y a aussi les perspectives d'évolution à terme. Jusqu'à maintenant, l'Arctique, c'était un cul-de-sac. Donc, il y avait certes la profondeur stratégique, mais bon, ensuite, ça s'arrêtait au niveau des glaces. Et à terme, on voit bien que ce qui était avant un cul-de-sac, une impasse, va bientôt devenir une route, une porte grande ouverte vers l'Asie. Et donc, là aussi, c'est un changement de paradigme pour nous. C'est-à-dire que le besoin de connaître tout ce qui viendra du Nord va se faire sentir de manière beaucoup plus prégnante. Pour bénéficier de cette capacité d'anticipation, hein, en vue de protéger nos approches. Voilà, donc
l'ouverture vers l'Asie, et puis on voit arriver dans cette région de nouveaux acteurs. Ils ne viennent pas pour l'instant avec des moyens militaires, hein, mais ils viennent pour investir de nouveaux partenaires ou concurrents, selon, asiatiques, chinois notamment, qui investissent depuis de nombreuses années de manière très massive dans cette région. Ils ont d'ailleurs un partenariat très fort sur le centre gazier de Yamal. Hein, ce sont les principaux investisseurs dans cette région. Voilà un peu le contexte qui fait qu'il est important pour nous de connaître l'Arctique et de nous y déployer très régulièrement. Merci, Amiral. Face à ces intérêts et ces jeux de chat et de souris que vous décrivez, comment ça se traduit en fait en matière de conduite des opérations ? Vous parliez de partenariat, alors vous avez peut-être des limites avec le secret défense, mais est-ce que vous pouvez nous décrire finalement une opération de la Marine nationale avec un partenaire qui peut être peut-être le Danemark ou les États-Unis ? Comment vous vous organisez ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors, effectivement, nous avons de nombreux partenaires dans la région. Il y a plusieurs types de partenariats. Il y a d'abord les coopérations bilatérales. Alors, très clairement, avec nos amis danois ou nos amis norvégiens, eh bien, nous opérons très souvent, nous menons des exercices ensemble. Nous envoyons nos bateaux, nos avions de patrouille maritime, les autres armées, hein, il n'y a pas que la marine qui coopère avec ces pays. L'armée de l'air envoie régulièrement aussi ces avions de chasse entraînés avec les patrouilles norvégiennes, où l'armée de terre s'y déploie régulièrement pour des exercices grand froid dans la neige pour entraîner ses troupes dans ces conditions climatiques extrêmes. Donc un partenariat qui est très fréquent, qui est régulier. La marine investit aussi dans des exercices d'aide au sauvetage, le but étant de soutenir dans leurs opérations de sauvetage les Danois ou les Norvégiens si, par malheur, un bateau, par exemple, de croisière devait se trouver en difficulté dans ces régions. Donc on pourrait mettre à leur disposition nos moyens aériens, par exemple, pour aider à rechercher des survivants, etc. Donc, et c'est un point important pour moi, bien sûr, quand je pense par la compagnie du Ponant qui développe son tourisme dans cette région. Hein. Vous évoquiez tout à l'heure le brise-glace de cette compagnie qui va bientôt arriver. Alors, donc un aspect de la coopération qui est aussi très important. Il y a aussi une coopération qui est dans le cadre multilatéral, notamment de l'OTAN. Donc là, nous sommes un partenaire de l'OTAN très important et il est important de tenir son rang, d'être un allié fiable, actif, et donc le fait de participer régulièrement à des exercices avec nos amis de l'OTAN et européens dans cette région, eh bien, contribue à crédibiliser la position de la France dans cette région. Et là, on voit que cette crédibilité acquise sur le plan militaire, elle renvoie aussi à celle qui est acquise sur le plan scientifique ou sur le plan diplomatique. Tout ça, c'est une cohérence d'ensemble, c'est-à-dire que la France, grâce à tous ses axes d'efforts, ses investissements dans de multiples directions, contribue à se positionner comme un partenaire crédible, important, qui a sa voix dans ses réflexions et ses échanges autour du devenir de cette région arctique. Même si, bien sûr, nous ne sommes pas un pays riverain, un des 8 du Conseil de l'Arctique, et bien sûr, on a une voix un peu moins importante, à tout seigneur, tout honneur, mais une voix quand même qui compte. Vous parliez tout à l'heure du fait que l'océan Arctique n'est plus une impasse finalement et qu'effectivement des voies d'accès nouvelles s'ouvrent. Et on parle beaucoup notamment de la voie du Nord-Est. Hein, et certains commentateurs parlent d'une véritable révolution géopolitique. On voit déjà des hordes de porte-conteneurs passer au large de la Sibérie, peut-être des vraquiers, peut-être des pétroliers. D'autres qui disent non, c'est exagéré. Est-ce que vous avez un point de vue sur ce sujet ? Peut-être que le commandant Guéna pourra rajouter, puisque lui a vu de ses propres yeux avec son équipage à quoi ça ressemble ce fameux passage. Alors, oui, j'ai un point de vue, je vous rassure. Ce que je pense, c'est d'abord qu'il faut s'inscrire dans le temps long. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est que ces routes, cette fonte des glaces, ouvre des possibilités nouvelles pour l'exploitation gazière et minière, et donc ouvre aussi des possibilités d'exportation de toutes ces ressources. Donc aujourd'hui, cette route du Nord, elle est surtout utilisée par les bateaux qui vont exporter le gaz, par exemple. La compagnie Yamal construit aujourd'hui
des métaniers brise-glace. D'ailleurs, ils viennent se faire entretenir à Brest. On a pu les voir il y a une semaine là dans les bassins à Brest. C'est un bateau très impressionnant, très puissant, capable de transporter le gaz depuis ces stations d'exploitation qui sont en plein milieu de la Sibérie, le long de la mer Arctique, et pour ensuite les évacuer vers des ports de transfert qui se trouvent dans des eaux plus faciles. Tout récemment, un de ces bateaux a même livré du gaz en Chine en plein hiver, de manière quasiment autonome, en utilisant très peu les brise-glaces pour traverser la mer. Donc, ce qui montre bien quand même tout le potentiel de cette route. Et c'est bien ce potentiel qui fait rêver beaucoup, ou discuter sur l'ouverture d'une route commerciale pour des porte-conteneurs, etc. Mais là, quand même, les choses sont beaucoup plus compliquées. L'Arctique, ça reste une zone extrêmement difficile. Et avec la fonte des glaces, elle n'est pas plus facile, en fait. C'est même contre-intuitif, elle est même plus difficile, parce que vous avez maintenant des glaces dérivantes, des dangers d'ordre nouveau qui peuvent mettre en danger les bateaux. Et d'ailleurs, comme je soulignais, les bateaux qui font aujourd'hui le transit dans cette région sont des bateaux équipés pour naviguer dans ces glaces, qui ont été conçus, qui sont avec des coques renforcées, des moteurs extrêmement puissants pour pouvoir briser la glace. Donc, des dangers encore, des météos extrêmement changeantes. Le commandant Guéna pourra vous confirmer, c'est vraiment impressionnant de voir comment brutalement la mer peut se déchaîner. Et puis aussi, des conditions de navigation extrêmement difficiles, à cause des brouillards, à cause du manque de radio-navigation ou de navigation par GPS. Vous l'avez souligné tout à l'heure, on est très loin des satellites, donc les systèmes de navigation sont beaucoup moins efficaces. Et puis, on est dans une zone où il n'y a personne. Il n'y a pas de station de secours. Donc, si vous êtes en danger, vous êtes tout seul, vous êtes démuni. Ça, c'est vraiment un point très important. Donc, les primes d'assurance pour les porte-conteneurs, évidemment, vont augmenter, ce qui va baisser la rentabilité de cette ligne. Et puis, pour traverser les glaces, il faut des moteurs puissants, on consomme plus de carburant. Et donc, finalement, les 4000 km que vous avez gagnés, les économies de carburant que vous avez pu faire par un trajet plus court, vous allez, d'une certaine manière, un peu les reperdre en naviguant dans des zones plus difficiles où il est nécessaire de consommer plus et en payant des primes d'assurance plus importantes. Alors c'est une zone qui est dangereuse, ce qui fait qu'en plus la Russie va imposer des conditions de traversée assez contraignantes, notamment elle va vous imposer l'accompagnement par un brise-glace, et donc vous allez devoir payer la location de ce brise-glace. Donc vous ne payez peut-être pas la taxe pour traverser le canal de Suez, mais vous allez payer pour pouvoir disposer du brise-glace. Alors quand on écoute M. Poutine qui après l'affaire du Green Ever qui était coincé, qui a bloqué tout le canal de Suez, qui proposait comme alternative la route du Nord, je pense qu'il faudra encore attendre un peu, voire même quelques décennies, avant de vraiment la voir se développer dans le sens traditionnel d'une route commerciale, qu'on peut l'entendre, d'autant plus que tout le régime des porte-conteneurs, c'est de pouvoir disposer de ports tout au long du trajet pour pouvoir débarquer, réembarquer, échanger les conteneurs, ce qui est totalement impossible aujourd'hui sur la route du Nord. Et puis, comme vous l'avez souligné, pour les porte-conteneurs, en plus, il y a une question de ponctualité. Et on l'a bien vu avec l'Ever Given et le canal de Suez, les conséquences commerciales absolument monstrueuses. Et comme vous soulignez à quel point la navigation peut être surprenante, parce que justement il y a des glaces de mer dérivantes, on imagine bien les conséquences de ne serait-ce que 24 ou 48 heures de délai d'un porte-conteneur dans ces conditions-là. Ouais. Merci beaucoup, Amiral. J'ai envie de passer la parole au commandant Guéna. Justement, on a été projeté dans ce fameux passage du Nord-Est. Racontez-nous finalement comment ça se passe et puis qu'est-ce que vous avez appris en projetant finalement le Rhône sur un passage aussi mythique. Racontez-nous l'histoire un peu. Alors avant toute chose, je veux préciser que le Rhône est un bâtiment qui, contrairement à l'Astrolabe qui a été évoqué tout à l'heure, n'a pas de capacité pour casser la glace. Donc la première chose, ça a été une étude environnementale qui nous a permis de déterminer qu'il était possible d'envisager ce passage de Nord-Est, mais par contre selon un calendrier bien établi, à savoir au mois de septembre. On admet généralement que la fonte des glaces se termine à la mi-septembre, avant le début d'une période de glaciation. Donc on est parti selon un timing bien précis.
Alors le passage du Nord-Est, ça fait rêver. On a navigué à allure faible, aux environs de 9 à 10 nœuds. On a dû contourner de la banquise par moment. Et en 14 jours, on a franchi 175 degrés de longitude. C'est la moitié de la surface de la Terre. Alors bien sûr, ça fait rêver. Maintenant, la navigation, comme l'a souligné l'amiral, reste encore anecdotique. Pendant notre traversée, nous avons croisé simplement un bâtiment de commerce. C'était le Ventura Merx, qui est un bâtiment de 200 mètres de long, un porte-conteneur, qui est accompagné par un brise-glace nucléaire russe et qui effectuait simplement un voyage expérimental. Aujourd'hui, finalement, on constate que l'augmentation du trafic dans la route maritime du Nord, l'appellation russe du passage du Nord-Est, est une réalité. Oui, le trafic commercial augmente. Maintenant, l'utilisation du passage du Nord-Est en tant que voie maritime commerciale, ça reste encore quelque chose de très anecdotique. Aujourd'hui, c'est environ 20-40 bâtiments par an. Mais l'augmentation qui s'opère, c'est vraiment l'exportation des matières premières russes et notamment le gaz. Aujourd'hui, finalement, on fait face à des gains qui sont possibles. Des gains, donc à peu près 40% de distance en moins. Donc ça peut être un petit peu moins de carburant, un petit peu moins de charges salariales, un petit peu plus d'exploitation des bateaux. Mais finalement, ça reste assez anecdotique. Je vais vous donner un exemple très simple. Un bateau comme le porte-conteneur géant qui a bouché le canal de Suez il y a quelques jours. Un bateau de ce gabarit transporte une marchandise d'environ 1 milliard d'euros. Si on fait la balance entre le risque d'un dommage causé par une rencontre fortuite avec la glace, le risque de ne pas tenir des engagements, le risque qui amène aussi à payer des surcoûts pour l'assurance. Finalement, le gain, finalement, par rapport à des sommes aussi colossales qu'un milliard d'euros transportés sur un bateau, finalement, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Et comme ça a été souligné tout à l'heure aussi, la navigation commerciale qui s'opère entre l'Europe et l'Asie, c'est généralement une multitude d'escales, 10 à 12 escales sur des lignes commerciales, des bâtiments qui sont développés dès le début pour être employés sur une ligne bien spécifique, dans laquelle la ponctualité est un élément qui est vraiment important, puisque un port, ça vit continuellement. C'est un bateau part, un bateau arrive, donc il faut vraiment que tout soit réglé comme un métronome pour pouvoir permettre au commerce maritime mondial de s'opérer. Alors ceci étant dit, on évoque le court terme, le moyen terme. Il y a quand même un bouleversement climatique qui s'opère dans l'Arctique. Et si on se projette d'ici 30 ans, 40 ans, il est quand même fort à parier que les cartes puissent être rebattues. C'est en tout cas une possibilité. Quand on pense à l'Arctique et à la révolution climatique qui s'opère là-bas, on évoque souvent la surface couverte par les glaces. Mais il y a un élément dont on parle moins, en tout cas dans l'opinion publique, mais qui, à mon sens, est au moins aussi important, c'est la surface de la glace. Et cette surface a tendance à diminuer de manière importante, et par là même, c'est la capacité de régénération, avec le cycle été-hiver, c'est cette capacité de régénération qui diminue fortement. Et vous voyez, le Rhône a réussi à franchir le passage du Nord-Est. Alors ça fait l'objet de beaucoup d'intentions de notre part, parce que les risques, le brouillard, la glace, alors il y en a moins, mais il y en a toujours. Le risque existe. Maintenant, je retiens qu'un bateau sans capacité glace a réussi à le faire, sans avoir à briser la moindre glace. On a dû slalomer par moment, mais on n'a pas eu à casser la glace. L'été dernier, où la fonte des glaces a été particulièrement importante, un bateau comme le Sedov, le grand voilier russe centenaire, a emprunté pour la première fois de son histoire le passage du Nord-Est. Et la banquise, par endroit, a atteint le 85 nord. C'est à peu près 500 km. 500 km.
du pôle Nord géographique. Si je pouvais compléter la question, on pense à l'équipage. Dans ces conditions-là, par rapport à un équipage marine nationale qui est confronté à des conditions assez différentes, qu'est-ce qu'il apprend finalement à naviguer dans ces mers? Vous avez parlé du brouillard, vous avez parlé parfois de gaz de mer qui peut couper la trajectoire. Racontez-nous un peu justement cet aspect d'apprentissage pour les équipes. Alors déjà, je pense que pour la Marine nationale, aussi bien pour l'Astrolabe dans l'hémisphère sud que pour les différents bateaux qui sont amenés à opérer dans l'Arctique, il s'agit finalement de se réapproprier ce type de navigation. Par le passé, la Marine nationale, vous évoquiez tout à l'heure l'amiral Dumont d'Urville, la Marine nationale a opéré dans la glace. C'est quelque chose qui s'est perdu, qui est en phase de reconquête. Il y a des besoins de dessert logistique, des besoins d'accompagner les changements géostratégiques qui s'opèrent. Donc la meilleure façon d'apprendre à naviguer et à opérer en sécurité, c'est le point important, vous l'avez souligné aussi tout à l'heure, c'est d'aller fréquenter ces zones, c'est d'apprendre à connaître le degré de confiance qu'on peut accorder aux différents systèmes météo, glace qui sont mis à notre disposition. Apprendre à reconnaître la glace, son déplacement, ce qu'il est possible de faire, les risques encourus. Et après, cette phase de réappropriation, là, on essaie aussi d'acheter d'une manière assez vertueuse, de partager toute l'expérience qui est acquise. Donc la Marine nationale a publié il y a peu de temps un guide de navigation dans les hautes latitudes qui reprend un petit peu le rétex. Le retour d'expérience, acquis par l'Astrolabe et acquis à travers les différentes missions en Arctique. Donc des personnes ont la chance d'aller vivre ça. Maintenant, l'objectif pour nous, c'est vraiment de partager de façon à permettre au plus grand nombre de bâtiments de la marine qui seraient opérés là-bas de le faire en sécurité. Merci beaucoup. Ça permet justement une transition très naturelle vers le commandant Céline Tuccelli. On avait dit tout à l'heure qu'elle nous raconterait cette expérience assez extraordinaire de naviguer dans les glaces avec l'Astrolabe. Au total, vous avez commandé l'Astrolabe pendant 31 mois cumulés de ce patrouilleur polaire. C'est une expérience évidemment assez exceptionnelle. Quels sont les challenges finalement auxquels vous avez été confronté depuis la construction jusqu'à cette première année d'exploitation dans les gaz polaires, et puis au-delà, les 31 mois pendant lesquels vous avez navigué, c'était quoi les grands challenges, les points d'attention? Tout d'abord, merci Monsieur le Directeur de me donner ici l'occasion de témoigner de cette formidable aventure qu'a été l'armement de l'Astrolabe, puis la conduite de sa première mission, notamment en novembre 2017, et ensuite les trois saisons suivantes. Alors, pour commencer, je dirais qu'il s'agissait du premier projet de construction d'un navire d'État de classe brise-glace en France. Donc, c'est tout à fait inédit. Et la façon même dont ce projet a été construit est innovante, puisqu'en fait, il s'agit d'un partenariat entre trois administrations. Donc, l'administration des terres australes et antarctiques françaises, plus connue sous le nom des TAF, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, qui est propriétaire du bateau, en fait. L'Institut polaire français qui participe financièrement également à l'acquisition du navire et qui exploite le bateau pendant les 4 mois de l'été austral. Et puis enfin la Marine nationale qui exploite, arme et entretient le navire, et c'est pas une mince affaire, durant les 8 mois restants de l'année. Voilà. Alors quels étaient les challenges? J'en retiens 3. Le tout premier challenge, c'était d'abord celui des délais. Parce qu'en réalité, entre la décision de construire ce bateau, le top départ en mai 2015 et son premier voyage en terre à Delhi en novembre 2017, vous voyez, c'est écoulé moins de 30 mois. Donc c'est exceptionnel, en fait, hein, pour la conception et la réalisation d'un navire, surtout pour une première brise-glace français. Donc c'est un véritable tour de force pour les trois partenaires et également pour le chantier Piriou, qui construisait pour la première fois ce type de navire et qui avait été assisté par un cabinet d'études à cœur arctique.
Voilà, alors le deuxième challenge, c'était, et Philippe l'a un peu évoqué, c'était celui de la compétence. Parce que quand on n'a plus navigué dans ces zones-là depuis une cinquantaine d'années, puisque ça remonte au moment où finalement on a fondé la première station en Antarctique, eh bien, il a fallu s'appuyer à la fois sur l'expertise interne développée par l'IPEV, qui, enfin, héritière des expéditions polaires et qui n'avait jamais cessé finalement d'avoir la connaissance du milieu. Et puis aussi pour la partie purement maritime, sur l'expérience des commandants de l'ancien Astrolabe, puisque le navire a gardé le même nom que son prédécesseur. Tant dans la partie conception que dans la partie suivi de chantier, réalisation du bateau. Et également sur la partie savoir-faire particulier à la navigation dans les classes, qui est vraiment un métier très particulier, enfin une navigation tout à fait unique et qui est bornée par tout un ensemble de corpus réglementaires qu'on appelle le code polaire, sans rentrer plus que ça dans les détails. Voilà, donc à ce titre, j'aimerais remercier et rendre hommage à un certain nombre de personnes qui ont contribué directement finalement à la montée en compétence, non seulement des deux premiers commandants d'Astrolabe, donc François Tristram et moi-même, mais également nos commandants seconds, nos chefs navires, et puis à partir de là, c'est nous qui avons réussi après à former nos équipages. Mais il était vraiment essentiel qu'on forme les premiers états-majors. Donc, bien évidemment, Patrice Godon, qui est une célébrité à l'IPEV, hein. Et puis ses deux successeurs, Monsieur Patrice Bretel et Mme Gaëlle Célin, avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler, qui étaient les responsables des opérations logistiques de l'IPEV pendant que j'étais en fonction, et qui m'ont appris la connaissance du milieu, et avec lesquels j'ai vraiment formé le binôme décisionnel sur le terrain. Ça, c'est vraiment une expérience unique. Et puis également les trois commandants de l'ancien Astrolabe qui m'ont formé aussi, donc Stanislas Devorsine, Benoît Hébert, qui a travaillé également sur l'Aurora Australis avec les Australiens, et puis surtout Stanislas Zamora, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, qui est aujourd'hui réserviste pour la Marine nationale, et qui ont permis notre montée en compétences. Voilà, donc c'était essentiel, je pense, de souligner leur rôle, parce que finalement, si on n'avait pas eu ce compagnonnage, je pense qu'on serait passé à côté de bien des aspects du problème. Parce que c'est vraiment, en un temps si court, assimiler autant de compétences et avoir l'expérience du terrain, c'était vraiment inestimable. Alors, et en fait, le dernier challenge, c'est peut-être pas le moindre, hein, c'est le challenge du choc des cultures. Parce qu'en définitive, trois partenaires avec des cultures d'entreprises très différentes, des tailles également très différentes. Hein, le nombre de personnes qui travaillent à l'IPEV par rapport à la Marine nationale, on n'est pas sur les mêmes échelles. Une administration des TAF qui a une énorme importance, mais qui est pareil sur le terrain, n'est représentée que par le chef de district. Donc on a beaucoup de différences. Donc il a fallu faire se rejoindre des méthodes, des habitudes, des contraintes, des organisations très différentes, et c'était une gageure en soi. Ceci dit, c'était cette année la quatrième saison d'exploitation de l'Astrolabe, et on se rend compte finalement, malgré les difficultés, chaque saison a eu son lot de difficultés un peu différentes, et bien finalement l'atteinte des objectifs opérationnels montre que ce partenariat il est à présent consolidé. Enfin, il a fonctionné dès le départ. On a réussi à chaque fois à maintenir les stations, à continuer la science. Il n'y a pas eu d'interruption. Et aujourd'hui, voilà, on est arrivé sur un rythme de croisière. Et c'est vraiment la meilleure preuve qu'on a eu raison de se lancer dans ce partenariat. Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a eu une forme de choc des cultures. Et puis finalement, on voit bien qu'à l'expérience, ça finit par se roder. Il y a du dialogue qui s'instaure, il y a l'expérience surtout, et puis la réalité de la réactivité du terrain qui fait que vous êtes des opérationnels, et les opérationnels sur le terrain, il y a un objectif, et on trouve la meilleure façon de l'atteindre, et c'est assez remarquable. Rappelez-nous rapidement, en fait, comment ça s'organise justement ces voyages entre Hobart en Tasmanie et la Terre Adélie, et puis on parle, c'est un peu le sujet de la table ronde, la question des risques. Finalement, à quoi vous devez porter attention particulièrement? Quels sont les paramètres qui
qui vont vous guider en tant que commandant pour prendre telle ou telle décision pendant ce parcours sur 2700 km, on le rappelle, hein, entre Hobart et Dumont-Durville. Oui, vous avez raison. Donc, c'est vrai que ce trajet entre Hobart, alors pourquoi Hobart en Tasmanie? Simplement parce que c'est le trajet le plus court, le port le plus court vers la Terre Adélie. Bon, il prend en moyenne 4 jours et demi dans le meilleur des cas, enfin, pour rejoindre le pack. Et puis ensuite, la partie lutte dans le pack, celle-là, elle est variable, évidemment, elle est éminemment variable. Mais voilà. Et donc, c'est, finalement, l'Astrolabe, c'est quoi? C'est le maillon, en fait, ce n'est qu'un maillon de la chaîne logistique. Et c'est le maillon maritime. Alors, cette chaîne logistique, elle part souvent de la conception, de l'approvisionnement de certains matériels ici à Brest, jusqu'à la station terminale, celle qui est la plus éloignée à Concordia, qu'on a vu tout à l'heure. Et chaque maillon est essentiel, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'alternative sur le maillon Astrolabe. Enfin, ou en tout cas, il y en a peu, on l'a vu avec le Rora en 2019. Et notamment tout ce qui est engins lourds, enfin des pièces et des engins et le gazole, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas l'amener par voie aérienne, quoi. Donc la disponibilité du navire, c'est vraiment le point clé, il doit être au rendez-vous pour ces 5 rotations logistiques. Et derrière, il y a un enjeu vital, puisque un début de saison, une fin de saison, il faut entrer les gens au début, il faut surtout sortir ceux qui ne sont pas censés y rester tout l'hiver. Voilà, donc ça, c'est chaque année une forte pression qui s'exerce bien sûr sur vos épaules, et puis sur le terrain, sur celui du responsable de mission logistique de l'IPEV, et sur finalement le commandant de l'Astrolabe. Et donc c'est vrai que c'est important qu'on forme ce binôme. Alors pour que ça fonctionne bien, enfin, moi, je fais une analogie. On est en permanence en train d'essayer de résoudre une équation. Et avec différents paramètres qui, finalement, évoluent tous les jours. Alors, plus ou moins, heureusement, donc, on ne rebat pas les cartes complètement. On a énormément d'inconnus. Alors, justement, c'est tout l'enjeu, finalement, de la réussite d'une campagne, c'est d'arriver à résoudre cette équation qui comporte, ben, pour chaque inconnu, un certain nombre de risques, dont certains peuvent être majeurs et même engager la vie des personnes. Alors, d'abord, il y a deux paramètres. Les deux premiers, ils dépendent surtout de l'IPEV, et je vais les prendre un petit peu par ordre d'importance. C'est les objectifs logistiques et scientifiques de la campagne. Parce que il faut d'abord cadrer, c'est tout l'objet de la lettre de mission que vous nous donnez en début de campagne, c'est quel est le type, la quantité de biens à livrer, quels sont les travaux majeurs pour la saison, quel est le matériel critique à livrer, à quel moment. Parce que si on doit refaire tout un hangar, ben il faut livrer les pièces en début de saison pour avoir le temps de les construire. Il ne faut pas que ça arrive à la fin. Comment on va décharger ce matériel? Parce que finalement, c'est très différent qu'on le décharge par hélicoptère à 100 km de la côte parce qu'on est bloqué, ou en faisant un raid sur la banquise, ou la situation idéale en allant à quai. Ce qui est plus rare en début de mission. Donc on voit bien que là, déjà, il y a une contradiction. Également le transport de certaines cargaisons sensibles. Je pense aux carottes de glace qui sont conservées à moins 50 avec tout un système de surveillance. C'est presque comme les vaccins aujourd'hui, quoi. Voilà. Et les objectifs scientifiques, donc là c'est plutôt quelle personne a cheminé à quel moment. Parce qu'on voit que vous êtes lié, il y a un lien aussi contractuel avec certains laboratoires, et vous vous garantissez 3 semaines, 1 mois, 2 mois de présence sur zone, et il ne s'agit pas que le bateau soit en retard ou part trop tôt. Voilà, donc tout ça, c'est bien des choses à appréhender et à conserver en permanence à l'esprit. Et une fois qu'on a ces choses-là un peu en toile de fond, eh bien après, on doit composer avec l'environnement. Et ça, malheureusement, on ne le maîtrise pas. Donc tout le monde doit s'y adapter. En premier lieu, on pense tout de suite à l'état de la glace, la quantité de glace, l'épaisseur de glace. Donc il faut le rappeler, l'Astrolabe, donc il est classé Icebreaker 5, donc c'est l'entrée de gamme du brise-glace, on va dire. Hein. Il peut briser entre 80 cm et 1,10 m à peu près, c'est la théorie d'épaisseur de glace. Tout dépend évidemment de la nature, la densité, et j'en passe.
Et donc, pour anticiper un petit peu nos modes d'action, eh bien, on se base sur les cartes satellites. Mais combien de fois ne s'est-on pas trompé en voyant en septembre, en se disant « Oh là là, mais la saison va être apocalyptique », et puis un mois après, la glace est partie. Ou inversement, « Oh, ça a l'air facile, il n'y a pas trop de glace », et puis hop, tout se déplace, il y a un verrou qui se forme quelque part, et finalement, on ne peut plus passer. Donc c'est très compliqué. Ensuite, on vient superposer la couche météo, parce que bon, ça c'est à plus court terme, puisqu'effectivement, on regarde en fonction des dépressions, le sens... comment se génère la houle finalement, comment elle peut être notre allié en cassant, en disloquant le pack, ou alors au contraire avoir une dérive qui nous est pas favorable et qui a reformé des verrous de glace justement au moment où on était censé passer. Le brouillard, je crois que Philippe l'a aussi beaucoup expérimenté, c'est beaucoup plus difficile. Alors même si on a des radars très, très performants, fort heureusement sur l'astrolabe, mais passer 2-3 jours à passer le pack sans aucune visibilité à naviguer qu'au radar, c'est extrêmement épuisant. Et puis quand on arrive beaucoup plus près des côtes, on a ce phénomène de catabatique qui peut mettre à plat tout notre plan. On ajoute les aléas techniques et puis le facteur humain dont vous parliez, la fatigue de l'équipage, les amplitudes horaires, le fait que si on a de la bonne météo la nuit et le lendemain il fait mauvais, il faut se poser la question, est-ce qu'on va travailler en 2-8, en 3-8? Vous voyez, tout ça c'est tout ce qu'il faut intégrer et c'est pas simple. Alors, je ne sais pas s'il me reste un petit peu de temps, mais... Je crois qu'on va s'arrêter là pour prendre des questions des internautes. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir mis dans le vrai bain du terrain. Lucie ? Oui, alors la première question est en deux parties. Gwen demande combien de navires français sont déployés et présents à l'année longue au nord du cercle arctique et dans l'océan austral ? Et est-ce que ces navires militaires ont été ou sont utilisés pour des opérations d'urgence de rapatriement des stations ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, les bâtiments militaires sont surtout déployés dans la zone subarctique. Généralement, c'est là que se déroule le cœur de nos missions, c'est-à-dire entre la Norvège et le Groenland, ou entre le Groenland et le Canada. C'est rarement au-dessus. C'est à rares occasions que nous envoyons des bâtiments dans cette zone-là. C'est important parce qu'on l'a vu, hein, il y a tout un savoir-faire à maîtriser, à garder, à entretenir. Et donc, il faut absolument veiller à régulièrement aussi continuer à envoyer des bâtiments au-delà, bien au-delà du cercle polaire, au plus près des glaces. Mais le centre de gravité, c'est vraiment plutôt entre la Norvège et le Groenland. Alors, est-ce qu'on participe parfois à des missions d'évacuation ? Dans les années précédentes, il n'y a pas eu ce type d'opération. En général, les missions de sauvetage s'organisent par des moyens civils. Les nations ont, chaque nation, notamment la Norvège, hein, pour l'Arctique, qui reçoit sur l'île de Svalbard les missions scientifiques françaises. La Norvège a son propre dispositif d'évacuation. Alors, nous préparons, nous, à venir en soutien face à un événement de grande ampleur. Typiquement, le sauvetage d'un bâtiment avec des touristes. Effectivement, ces pays pourraient avoir besoin d'aide. Et à ce moment-là, nous tiendrons bien sûr disponibles pour venir en renfort. Merci. Alors, on évoquait tout à l'heure la route du Nord-Est. Quand on évoque la route du Nord-Est à des fins commerciales, et même si ce n'est pas dans un navire très proche, est-ce qu'on commence aussi à réfléchir aux conséquences des accidents, notamment en termes de pollution ? Alors, dans l'océan glacial arctique, la mer est très froide, et du coup, alors je ne suis pas biologiste, je parle sous contrôle de personnes qui en savent davantage que moi, mais la vie, elle évolue très lentement. Et le risque, en fait, c'est qu'une pollution maritime dans un environnement tempéré comme le nôtre peut avoir des conséquences dramatiques. Dans des eaux très froides comme celles de l'Arctique et de l'Antarctique, les conséquences sont démultipliées, parce que la vie mettra beaucoup, beaucoup plus de temps à retrouver sa place.
Donc c'est un risque qui existe, qui est important. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, l'augmentation de la navigation commerciale reste limitée dans l'Arctique. En fait, je pense que ce risque existe. Il est pris en compte par les armateurs pour ne pas risquer finalement de heurter l'opinion publique. Je pense que la compagnie maritime qui demain serait responsable d'une catastrophe maritime majeure dans l'Arctique, on a vu ce que ça pouvait donner avec l'Erika il y a quelques années, le long de nos côtes et Total. Je pense que cette compagnie-là aurait finalement du mal à supporter le choc. Et il faut noter aussi que tous les dispositifs de sauvetage, de surveillance, de dispositifs de lutte contre la pollution qu'on peut connaître par exemple au large de Brest, en fait les infrastructures sont extrêmement réduites, pour ne pas dire inexistantes, sur une bonne partie du passage du Nord-Est. Donc ça veut dire que l'impact d'une pollution serait très fort, et sur place il n'y a quasiment aucun moyen pour parvenir à lutter. En tout cas, rien pour lutter rapidement. Merci. Alors, on va parler de l'Astrolabe. On nous demande si l'Astrolabe est équipé avec des instruments océanographiques. Si oui, dans quelle mesure? Et sinon, pourquoi? Alors, c'est une bonne question. En fait, l'Astrolabe a été surtout conçu comme un navire logistique. Et on a une toute petite capacité, effectivement, de contribuer à des travaux océanaux, mais ça passe par l'embarquement de containers qui contient tous les équipements. On fait surtout des analyses de captation d'eau, d'analyse de salinité. Je ne vais pas me tromper, parce que là, ça fait un petit moment maintenant que je n'ai plus pratiqué. Et puis, on participe également à mouiller des sondes, on fait des relevages de bouées acoustiques qu'on mouille d'une année sur l'autre. Donc voilà, ce sont des travaux ponctuels, mais on ne peut pas parler à proprement parler de navire océanographique pour l'Astrolabe. Il est vraiment conçu, et dans son rythme d'activité aussi, il n'y a pas forcément la place et l'espace pour s'arrêter et se dédier à des travaux océanaux. Je crois qu'on en a terminé avec les questions des internautes. Merci Lucie. Jérôme, je vous laisserai la phrase de la fin pour cette table ronde. Oui, avec une certaine frustration, parce que je trouve que ces échanges, on apprend beaucoup, et surtout on apprend beaucoup de l'expérience et l'expérience croisée, et je trouve ça toujours fascinant, y compris sur les aspects très juridiques qui paraissent un petit peu abstraits, et finalement on se rend compte qu'on parle de choses finalement très concrètes. Bah écoutez, il me reste à remercier tout le monde pour la participation à cet événement, aux organisateurs, remercier les organisateurs, évidemment Océanopolis, évidemment Anne ici présente, Lucie et autres qui ont passé beaucoup beaucoup de temps pour mettre ça en place. J'espère que tout le monde aura appris beaucoup, et puis j'espère qu'on pourra organiser à nouveau ce type d'événement, parce que je pense que Brest peut être fier de son patrimoine, des liens qui existent avec les pôles sous tous les angles. Et voilà, donc je vous invite volontiers à participer au prochain événement que l'on ne manquera pas d'organiser à nouveau dans un avenir futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je tenais aussi à vous remercier tous d'être venus ce soir dans cette salle si insolite. Je voudrais également remercier, si vous me le permettez, mes équipes qui ont œuvré depuis quelques semaines sur ce beau festival polaire connecté, puis évidemment Aude et Lucie, évidemment, avec qui nous avons travaillé. J'ai quelques mots à vous dire avant de se quitter. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le Festival Polaire Connecté, eh bien, nous allons continuer à vous proposer des dispositifs de médiation dès demain. Demain et dimanche, à 14h30, nous vous invitons à vous reconnecter sur Facebook pour finalement assister à des rencontres avec des experts, avec des scientifiques. Samedi, par exemple, vous allez pouvoir rencontrer Yann Roper-Coder, qui est chercheur au Centre d'études biologiques de Chizay, et avec son collègue également, Christophe Guinet, qui en fait partie. Nous aurons également le plaisir d'accueillir, certainement d'échanger avec Cyril Gallu, enseignant, chercheur à Sorbonne Université de Paris.
Et puis ces échanges que vous pourrez évidemment regarder sur Facebook seront agrémentés également de l'exposition qui a été réalisée par l'équipe de l'IPEV, Animaux polaires, une vie de scientifique. Nous vous donnons également rendez-vous le dimanche 4 avril à 14h30 avec d'autres experts, avec d'autres scientifiques de Paris-Saclay, avec Isabelle Charrier, mais aussi Éric Carmineau du Châtelet, de l'Université de Lille, et enfin Jean-Louis Martin, qui est chercheur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Donc des échanges, vous allez apprendre plein de choses sur les animaux polaires, mais surtout, on va partir de certains animaux pour aller vers des programmes scientifiques. C'est ça qui va être très intéressant. On va aborder plein de choses, changement climatique, biodiversité marine, impact, pression sur cette biodiversité marine. Je vous donne rendez-vous vraiment samedi et dimanche à 14h30 sur Facebook. Alors, toutes ces conférences, tables rondes, émissions vont être ensuite retranscrites sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez re-regarder évidemment ces temps très très forts du Festival Polaire Connecté. Et une dernière information, mardi prochain, mardi 6 avril, nous recommençons notre programme de conférences dans le cadre du programme culturel de Sanopolis et nous allons accueillir Audrey Matt, chercheur en écophysiologie marine, et la thématique de sa conférence, ce sera les organismes marins ont le rythme dans la peau. Voilà, et bien cette soirée s'achève, je vous remercie tous. Voilà, et puis nous vous donnons rendez-vous demain pour les prochains rendez-vous du Festival Polaire Connecté. Merci à tous et je vous souhaite une très très bonne soirée.